Bienvenue sur Tricotouch. Aujourd'hui, je vous propose de tricoter ce poncho avec ce petit bonnet péruvien. Mais rendons d'abord à César ce qui appartient à Jules. C'est un modèle qui est de chez Fildart. Et sous la vidéo, vous trouverez le lien pour pouvoir le télécharger et éventuellement l'imprimer. Il est tricoté initialement au point mousse avec la laine Partner 6 et des aiguilles 5,5. Fildart vous le propose en trois tailles, 2 ans, 4 ans et 6 ans. Si vous souhaitez tricoter ce poncho et ce bonnet avec une autre laine et d'autres aiguilles, c'est tout à fait possible, c'est même le principe de mes tutos, que vous puissiez choisir la laine et les aiguilles que vous voulez. Pour cela, il vous suffira de faire un échantillon. Je vous montre comment recalculer la totalité des dimensions en fonction de votre échantillon et vous n'aurez plus qu'à remplacer mes chiffres par les vôtres. Comme c'est un tuto tricot débutant total, je vous montre tout du début à la fin, que ce soit l'échantillon, le montage des mailles, tricoter le poncho et le bonnet, et même faire le pompon, les franges et les tresses. Je vous montre tout, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. Alors avant d'attaquer les petits conseils, je vais quand même vous parler du matériel que j'ai utilisé pour faire ce poncho et ce bonnet. D'abord le fil, un fil de chez Fildart qui s'appelle Fil Mikado, qui est absolument superbe. Enfin, les couleurs sont exceptionnelles et il n'y a pas que ces couleurs-là, c'est un fil multicolore. Il y en a plein, plein d'autres. C'est un fil composé de 30% de laine peignée, 70% d'acrylique, 100 grammes et environ 165 mètres. Alors, j'en ai utilisé quasiment 3 pelotes, c'est ce qui me reste de la troisième pelote, c'est-à-dire à peine un tiers. À ce propos, vous savez qu'au moment où vous faites votre échantillon, vous avez la possibilité de calculer à l'avance la quantité de laine dont vous aurez besoin. Ne négligez pas la quantité de laine pour le pompon, pour les franges, parce que ça représente pas mal finalement. Donc il ne faut pas oublier d'en tenir compte. Moi je me suis fait avoir et puis il a fallu que j'aille chercher une pelote supplémentaire. J'ai tricoté, que ce soit le poncho ou le bonnet, avec les aiguilles qui sont préconisées pour cette laine, c'est-à-dire des aiguilles numéro 5. Là aussi un petit conseil, pensez bien à utiliser des aiguilles une demi-taille au-dessus pour monter et pour abattre les mailles, que ce soit pour le bonnet ou pour le poncho, ça évitera les tensions au moment où on fait la couture. Vous aurez besoin bien sûr aussi d'une aiguille à laine, c'est-à-dire une aiguille qui a un bout plutôt arrondi et un chat un peu large. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une aiguille à coudre avec le chat le plus large que vous pouvez, et ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle moi un enfil aiguille parce que je ne sais toujours pas comment ça s'appelle, qui vous aide à passer le fil à l'intérieur du chat. Voilà, je crois que pour le matos c'est bon. Bon, mais de toute façon, il y a, enfin, peut-être que vous allez choisir de tricoter ce pull et ce poncho avec le même fil et les mêmes aiguilles, mais on est bien d'accord que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème puisque on va tout recalculer ensemble. Passons maintenant aux petits conseils que je pourrais vous donner. Alors concernant la quantité de fil à prévoir, c'est vu, n'oubliez pas de rajouter ce qu'il vous faut pour le pompon et pour les franges. À ce propos, on est dans un tuto débutant total, donc non seulement je fais l'échantillon avec vous, je le compte avec vous, mais je fais aussi le pompon. Alors j'en avais pas fait depuis 30 ans, c'était assez drôle. Et bien sûr, je vous montre comment on fait les franges. Ah oui, mais si, mais en matériel. En matériel pour les franges, quand même, le mieux, c'est d'avoir un crochet. Voilà, hein, pour venir, voilà, ce sera plus facile de faire les franges avec un crochet que sans. Il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose. Ensuite, au niveau du point. Alors, pour le poncho, moi, j'ai décidé de le tricoter en jersey, alors que le modèle initial de chez Fildart est tricoté au point mousse. Pourquoi ? Ben parce que le jersey, ça bouffe beaucoup moins de laine et ça bouffe beaucoup moins de temps aussi. Par contre, c'est un point qui n'a pas de relief. En tout cas, il n'a pas autant de relief que le point mousse. Le bonnet, lui, je l'ai fait en point mousse. Et en dehors du fait que ce soit peut-être un petit peu plus doux, un peu plus moelleux, une chose est sûre, et je trouve que ça se voit beaucoup ici, c'est que le fil multicolore est bien moins flamboyant quand on le tricote en jersey que lorsqu'on le tricote au point mousse. Alors là, c'est un choix que vous allez faire. Vous pouvez faire comme moi, un au jersey, l'autre au point mousse, tout au point mousse, ou même encore décider de faire un point fantaisie, que ce soit sur l'un et sur l'autre, si en tout cas vous savez comment on peut le rabattre, le diminuer, ce genre de choses. J'ai fait quelques tutos là-dessus, le point de riz par exemple, le point d'astrakhan, où je vous apprends à le tricoter tout droit, mais aussi à le diminuer, l'augmenter, bref, tout ce qu'il vous faut en réalité pour faire cet ouvrage-là. L'autre conseil, c'est que si vous le tricotez en jersey, ça va rouloter. Ne négligez pas le temps que ça va vous prendre de venir épingler votre ouvrage,
donner un coup de vapeur pour que les bords soient bien droits avant de mettre les franges. Ici, j'ai laissé rouloter pour les poignets parce que je trouvais que ce n'était pas très important, mais ne négligez pas ce temps-là. Par ailleurs, le col vient se retourner et le jersey en verre ne ressemble pas au jersey en droit. Alors moi, je trouve que c'est pas vilain du tout, mais c'est vrai qu'au point mousse, vous n'avez pas ce souci puisque c'est un point qui, par définition, est réversible. Dans les conseils, dans le tuto, je fais une huit-corde autour de mon encolure avant de venir mettre quelques points C'est pas pour la fixer meilleure le chose que col. j'ai faite. C'est une option. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Il y a vraiment pas de souci là-dessus. C'est pas la meilleure option que j'ai choisie parce que, en l'occurrence, je l'ai mal faite, cette taille-corde. J'ai pris des aiguilles un petit peu plus petites pour que ça rende bien, mais j'aurais dû prendre des aiguilles encore plus petites. Je crois que j'ai pris du 4,5. Il aurait fallu que je prenne du 3,5. Cette taille-corde est un petit peu disproportionnée au niveau de la taille. Et en plus, je l'ai pas, j'ai pas très bien fixé après mon col. Enfin, là, on le voit. Voilà. Bon, de toute façon, comme c'est optionnel, vous verrez le moment venu si vous souhaitez le faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, j'espère que j'aurai des retours. Ce bonnet. Ah oui, je ne vous ai pas donné la taille. Oui, j'ai tricoté le poncho en 2 ans. Pardon, oui, j'avais oublié le bonnet en 2 ans aussi. J'ai un petit peu le sentiment que le bonnet est un peu haut pour du 2 ans. Mais j'ai pas de petits qui font 2 ans sous la main. Donc je ne peux pas l'essayer. Alors, faisons confiance à Fildar. A priori, s'ils font ces dimensions-là pour un 2 ans, c'est que ça va. Mais c'est vrai que ça me ferait plaisir d'avoir des retours. Sur la taille de ce modèle, voir si ça convient Autre effectivement chose bien. aussi, il est assez surprenant dans sa coupe, ce poncho. Donc voilà les poignets, et vous verrez que le dos, le poncho, est plus court que le devant. Donc c'est voulu dans le modèle, c'est comme ça qu'il est prévu, c'est bien aux bonnes dimensions, je ne me suis pas plantée. C'est assez particulier, et je l'ai aussi sur les photos, donc quand il est porté, ça a l'air très sympa. Ben, j'espère que j'aurai des retours sur cet aspect-là de l'ouvrage. Bon, ben, je crois que c'est tout, hein. Je crois que ben, va falloir qu'on s'y colle, tout simplement. Allez, on attaque, et puis on attaque tranquillement, vous inquiétez pas, je vous montre tout sur l'échantillon, comment le compter, et ensuite, bien sûr, on fait les calculs, et tout l'ouvrage, pas à pas, jusqu'aux coutures. Alors, pour tricoter cet échantillon, vous avez différentes solutions. La première, et qui me semble la moins risquée, c'est de prendre les aiguilles qui sont préconisées par le fabricant de votre pelote de laine. Ici, ce sont des aiguilles numéro 5. Et de monter donc un certain nombre de mailles pour faire un carré qui fasse à peu près 12 cm par 12. On peut se fier aux données du fabricant. Là, il me dit, donc pour cette laine-là, on me dit que si je tricote du jersey avec des aiguilles numéro 5, il me faudrait monter 17 mailles et les tricoter pendant 22 rangs, donc ça me donne une petite idée du nombre de mailles que je dois monter pour faire mon échantillon. S'il y a écrit 17, moi je prendrai une petite marge, je rajoute au moins 5 mailles, voire un peu plus si c'est un fil très fin avec de toutes petites aiguilles. Pour le nombre de rangs, ça n'a pas tellement d'importance. Vous tricotez par exemple ici mes 22 mailles, imaginons, pendant 12-13 cm et ça suffira. Alors moi, ce que je vais faire, je vais prendre des aiguilles numéro 5, celles qui sont préconisées pour cette laine-là. Je vais monter, normalement, je devrais monter à peu près 22 mailles. Là, en fait, j'en ai monté 30 pour l'échantillon parce que je veux que ce soit suffisamment grand pour qu'on le voit bien. Et je le tricote pendant 14 cm, c'est-à-dire à peu près 30 rangs. Le vrai échantillon que j'ai déjà fait par ailleurs est beaucoup plus long, mais c'est vraiment pour les besoins de la vidéo. Donc, on va commencer par le montage des mailles. Que ce soit pour l'échantillon ou pour un ouvrage, l'idéal quand même, c'est de faire un montage de mailles qui ne soit pas trop serré. Et il se trouve que c'est quelque chose d'assez difficile. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de mal à faire un montage de mailles qui soit souple. Donc, ce que je vous conseille, c'est pour monter les mailles, d'utiliser des aiguilles une demi-taille au-dessus. Pour tricoter, je vais utiliser des aiguilles numéro 5. Mais pour monter les mailles elles-mêmes, je vais utiliser des aiguilles 5,5. La seule difficulté, alors il y a deux difficultés. La première, c'est qu'il faut que vous ayez des aiguilles d'une demi-taille au-dessus. Ben, si ce n'est pas le cas, faites sans et tricotez et montez vos mailles le plus souplement possible. Mais l'autre difficulté, si vous utilisez des aiguilles un petit peu plus grosses, c'est de bien penser à changer d'aiguille et à revenir aux bonnes aiguilles pour tricoter l'échantillon lui-même. Mais je vous y ferai penser. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce mini échantillon qui est un faux échantillon parce qu'il va être super petit, je vais essayer de vous montrer les 3-4 choses qu'il faut absolument savoir pour attaquer cet ouvrage. La première chose, et j'ai fait des vidéos sur chacun de ces points, des vidéos qui sont très détaillées et que vous retrouverez dans la playlist Apprendre à tricoter tout simplement. La première des choses, c'est l'histoire du fil perdu. Pour monter des mailles, il me faut garder du fil pour pouvoir monter ces mailles et généralement, je garde aussi du fil pour faire la couture.
Ici, comme on ne sait pas quelle dimension va faire exactement notre échantillon, on va avoir du mal à calculer combien on va garder de fil. Habituellement, je garde 3 fois la largeur de l'ouvrage, plus 2 fois la hauteur de couture. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder 3 fois 15 cm, voilà, et je vais monter mes mailles. De ce côté, le fil perdu, de celui-là, le fil qui mène à la pelote. Et je fais un nœud coulant, c'est-à-dire un nœud qu'on peut défaire quand on tire dessus. Ce nœud compte pour la première maille. Je la glisse donc sur mon aiguille 5,5. Voilà le fil qui mène à ma pelote, voilà le fil perdu. Alors, le fait est que je ne sais pas comment vous expliquer le geste que je fais, je ne peux que vous le montrer. Donc, je saisis mes deux brins, je pivote ma main et je passe dans un brin, puis dans l'autre, et je lâche. Voilà, j'ai monté une deuxième maille. Je vous remontre. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo super détaillée, mais honnêtement, je ne vois pas comment vous l'expliquer. Je pivote. Vous voyez, ça fait comme une boucle ici. Je viens là. Je passe autour de ce fil. Et voilà. 3. Allez, on recommence. Et c'est là qu'il ne faut pas trop tirer si vous avez des aiguilles de la même taille que l'ouvrage. Je refais le geste. Alors, l'autre chose aussi, c'est que habituellement, chaque fois que je monte 10 mailles, alors 1, 2, 4, 6, 7, chaque fois que je monte 10 mailles, je viens poser un marqueur, de sorte à ce que si on m'interrompt, je ne sois pas obligé de tout recompter. Là, ça n'a pas de sens, puisque je tricote un tout petit coupon. Mais pour le montage des mailles, pour l'ouvrage lui-même, ça serait peut-être intéressant. 2, 4, 6, 8, 10, et je glisse, évidemment, je ne l'ai pas préparé, parce que je viens d'y penser à l'instant, en fait. Je glisse un petit marqueur, alors des petits marqueurs, j'en ai des tas, moi. J'en fabrique, j'en achète, enfin voilà. Ça peut ressembler à ça. Vous glissez votre marqueur et puis vous recomptez 10 pour les 10 mailles suivantes. Pour l'échantillon, évidemment, ça n'a pas de sens. Donc là, je vais monter 15 mailles en tout. Parce que je vous le disais, c'est un faux échantillon. Voilà. Donc 10, 11, 12, 13, 14 et un 15. Ok. Et ce petit marqueur, je le ferai tomber au premier rang, dès que je tricoterai. Le fil perdu, prenez l'habitude, que ce soit pour l'échantillon ou pour l'ouvrage, de venir l'entourer, comme ça, et puis le nouer, histoire de ne pas confondre. Ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais je veux dire réellement plusieurs fois, c'est de tricoter avec le fil perdu et non pas avec le fil qui mène à la pelote. Voilà, donc là déjà j'ai des petites choses à vous dire. Premièrement, le rang de montage ne compte pas. Il ne porte pas de numéro, c'est le rang de montage. Deuxièmement, si vous montez les mailles comme moi, chaque fois que vous aurez le fil perdu qui est du même côté que le fil qui mène à la pelote, c'est que vous allez attaquer l'endroit du travail. Vous êtes sur l'endroit du travail. L'endroit du travail, c'est la partie visible de l'ouvrage. Moi, je l'appelle l'allée. Et c'est un rang qui a toujours un nombre impair. 1, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 7, etc. Vous allez me dire qu'en faisant l'ouvrage au jersey, je n'ai pas vraiment besoin de savoir où est l'endroit et l'envers du travail, puisque l'endroit ne ressemble pas du tout à l'envers. Hein, la partie visible de l'ouvrage ne ressemble pas du tout à la partie qui n'est pas visible. D'abord, un, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que sur ce poncho, on va venir retourner le col. Mais on peut se poser la question pour le point mousse. Le point mousse est un point par définition réversible, c'est-à-dire que les deux côtés se ressemblent étrangement. Est-ce qu'on a vraiment un intérêt à savoir où est l'endroit et l'envers du travail? Alors j'allais dire oui, j'allais dire non. J'allais dire oui parce que prendre l'habitude de toujours savoir si on se trouve sur l'endroit ou l'envers du travail, c'est une bonne habitude. Et puis j'allais dire non parce qu'en réalité, l'endroit et l'envers sont les mêmes et ce qui sera l'envers, c'est là où vous viendrez camoufler vos fils en cours d'ouvrage. Je m'explique. Vous allez à un moment ou à un autre changer de pelote et je vais vous montrer comment on peut camoufler le fil de la nouvelle pelote. Eh bien, le côté où vous aurez camouflé ce fil, ça fera, on le verra, ça deviendra automatiquement l'envers de votre travail. Du coup, vous camouflerez toujours vos fils de ce côté-là. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir, mais moi je pense qu'il faut quand même prendre l'habitude de savoir où est-ce qu'on se trouve quand on tricote. Voilà. Mes mailles sont montées avec mes aiguilles 5,5. Je prends mon aiguille numéro 5 et je tricote donc mon allée, l'envers, l'endroit du travail, autrement dit le rang numéro 1. Que ce soit pour le point mousse ou pour le jersey, toutes les mailles se tricotent à l'endroit. Donc je pique l'aiguille de devant vers derrière, mon fil est derrière et je tricote chacune des mailles de cette façon. Arrivé à mon marqueur, qui en l'occurrence n'est pas utile mais qui le sera tout à l'heure quand on montera l'ouvrage,
je le fais tomber. Vous voyez, c'est un marqueur qui ne tenait pas dans une maille. Et je tricote comme ça toutes mes mailles à l'endroit, dans le même sens, jusqu'à la fin du rang. Ah oui, si, une petite précision. Vous remarquez que je lâche mes aiguilles pour tricoter. Ça veut dire que je tricote mal. Je n'ai pas appris à tricoter correctement. Si c'est vraiment votre premier ouvrage, moi je vous conseillerais d'abord d'essayer de trouver une vidéo où on apprend à tenir les aiguilles correctement sans lâcher le fil, sans lâcher les aiguilles, parce que croyez-moi, c'est pas l'idéal. J'ai terminé mon rang 1, je retourne mon ouvrage, je suis sur le rang numéro 2. Donc un rang pair qu'on appelle retour, donc l'envers du travail. Vous voyez, mon fil perdu n'est pas du même côté que le fil qui mène à la pelote. Oui, non, il faut... il faut d'abord que je vous dise qu'il ne faut pas oublier de changer votre deuxième aiguille. Si vous avez monté vos mailles avec des aiguilles un peu plus grosses, n'oubliez pas de prendre la deuxième bonne aiguille. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si vous êtes au point mousse, eh bien le rang 1, tous les rangs sont les mêmes. C'est-à-dire que vous tricotez toujours toutes les mailles à l'endroit. Voilà. Donc moi, je vais le faire au jersey. Là, je vous montre pour le point mousse. Et je vais faire un gros plan parce que je vais défaire ces quelques mailles que j'ai faites. Et ça serait intéressant que vous sachiez dès maintenant comment défaire quelques mailles quand vous avez oublié de tricoter les mailles à l'envers, là où il fallait les tricoter à l'envers, par exemple. Donc on fait un gros plan. Mon objectif, c'est donc de défaire les quelques mailles que je viens de tricoter. Là, mon fil est derrière. S'il était devant, c'est que je viens de tricoter une maille à l'envers que je veux défaire. Donc déjà, on regarde par où il sort. Il sort de cette petite boucle-là. Ça, c'est la maille du rang précédent. Eh bien, c'est dans cette petite boucle que je vais venir piquer mon aiguille, sortir la maille que je viens de tricoter en tirant sur le fil perdu. Je recommence. Vous voyez, je viens piquer dans cette maille et je sors délicatement mon fil. Si je le fais en regardant par devant, alors moi je sais où c'est, donc évidemment c'est plus facile. Le mieux quand on est sur une maille envers, c'est de regarder sur l'arrière du travail. Voilà. Et voilà. Vous voyez, je viens de défaire assez facilement quelques mailles. Alors pour le jersey, par contre, le rang 2 ne ressemble pas au rang 1. C'est-à-dire que toutes les mailles sont tricotées à l'envers. Donc on pique l'aiguille, par contre, devant l'aiguille. Oui, on pique une des aiguilles, mais devant le travail. Le fil est aussi devant. Et on tricote la maille. Voilà. C'est ça, une maille envers. Alors j'en tricote 3-4 que je vais venir défaire pour vous montrer comment on défait une maille envers. Oula, j'ai touché la caméra. Donc c'est la même chose, là ça se voit peut-être un peu mieux. Vous voyez, le fil, il sort de cette maille là. Eh bien, je pique dedans et je défais. Je pique et je défais. De cette façon, vos mailles sont dans le bon sens une fois que vous les avez défaites. Voilà. C'est plus facile. Donc je reprends du coup mon rang 2 et je le tricote entièrement, toutes les mailles à l'envers. Le jersey, c'est ça. C'est tous les rangs impairs, c'est-à-dire chaque fois qu'on est sur l'endroit du travail, c'est-à-dire tous les allées sont tricotées, toutes les mailles à l'endroit. Alors que tous les retours, c'est-à-dire quand on est sur l'envers du travail, autrement dit les rangs pairs, sont tous tricotés, toutes mailles à l'envers. Décidément, j'ai mon portable qui n'arrête pas de sonner. Enfin, qui n'arrête pas de me prévenir. Voilà, je termine mon rang. Donc, vous voyez que je ne vais pas très vite du fait que je lâche mes aiguilles. Ça, c'est un problème. C'est un vrai problème. Ok. Là, j'ai tricoté que deux rangs pour l'instant. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'à un moment ou un autre de l'ouvrage, il y a deux moments où je vais vous demander de venir poser un marqueur sur la première maille d'un rang endroit, hein, quand on est sur l'endroit du travail. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Si vous avez des marqueurs achetés dans le commerce, vous utilisez ceux que l'on peut ouvrir et fermer. Donc là, j'en ai un modèle. Là, il en existe plein. J'aime pas bien les pointus, moi, parce qu'ils viennent souvent se piquer dans la laine. Donc, c'est pas très agréable. Donc, un comme ça. Et on viendrait glisser ce marqueur dans la première maille, de sorte qu'il soit coincé dans la maille. Et en continuant à tricoter, ce marqueur ne s'enlèvera pas. C'est pas, vous voyez, je ne l'ai pas mis de la même façon que quand je monte les mailles au départ, qui est un marqueur qui peut s'enlever. Si vous n'en avez pas, vous prenez un fil de couleur contrastante, une aiguille à laine, et vous venez glisser ce fil dans la première maille, puis vous faites un petit nœud au bout pour être sûr que ça ne parte pas. Hop, voilà, ma première maille est un petit peu lâche. Et ce marqueur-là restera en place. Donc il y a deux fois où je vous ferai poser un marqueur.
Je vais l'enlever parce que là, je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait un petit peu grand quand même. Et puis, il va m'embêter pour la suite, donc on ne s'embête pas. Alors, je vous ai montré comment défaire quelques mailles pour revenir un petit peu en arrière, comment poser un marqueur. Maintenant, ce qu'il faudrait que je vous montre, l'idéal, ça serait comment changer une pelote. Alors, l'autre chose qui va certainement arriver pendant votre ouvrage, c'est de devoir changer de pelote. Habituellement, on vous propose de changer de pelote en début de rang. C'est-à-dire que vous laissez le fil de votre ancienne pelote, vous prenez le fil de votre nouvelle pelote et vous tricotez tout simplement avec votre nouveau fil. Bon, là, c'est un peu biaisé parce qu'il n'est pas coupé le fil. Voilà. Nous, sur cet ouvrage, on ne va pas faire ça parce qu'il se trouve que les bords ne seront pas tous cachés dans une couture. Et donc là où vous allez changer de pelote sur le bord de l'ouvrage, ça pourrait se voir. Si vous devez changer de pelote dans les 20 premiers centimètres ou dans les 20 derniers centimètres de l'ouvrage, ne vous embêtez pas et changez-la en début de rang, ça sera caché par une couture, mais c'est le seul endroit. Sinon, il va falloir le changer en cours d'ouvrage. Alors, première chose à savoir, c'est que on va faire notre changement de pelote en étant sur l'endroit du travail, puisqu'on va venir tisser notre fil sur l'envers pour pas qu'il se voie quand on porte le poncho. Si vous êtes au point mousse, j'allais dire, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui va se passer, c'est que le côté où vous allez changer, où vous allez tisser votre fil, deviendra d'office l'envers du travail. Ça signifie donc que si vous devez changer 2, 3, 4 fois de pelote, vous veillerez à toujours tisser le fil sur le même côté. D'accord? De sorte à préserver l'endroit du point mousse, si tant est qu'il y ait un endroit, mais l'endroit du point mousse pour que ce ne soit pas visible quand on porte le poncho. Alors je vais couper mon fil, ce qui me crève un peu le cœur pour vous dire la vérité, parce que je ne suis pas sûre, enfin j'ai pas encore fait mes calculs et je ne suis pas sûre de pouvoir d'avoir vraiment une grosse marge de manœuvre avec la laine. Et là si je coupe, je ne sais pas si je vais la réutiliser après. Enfin bon, bref, écoute, ça vaut bien ça quand même. Hein. Allez, j'ai coupé mon fil, donc. Première chose, si vous avez moins de 3 fois et demi la largeur de votre ouvrage, vous ne pourrez pas faire un rang entier. Je dis ça pour le cas où vous vouliez le changer en début de rang. Nous, on s'en fout un peu puisqu'on va le changer en cours de rang. Donc, je tricote tout à fait normalement et je vais essayer de faire le tissage en cours de rang. Donc, il faut qu'il me reste quand même un petit peu de fil perdu pour pouvoir le tisser derrière. Bon, là, j'en ai un peu trop, hein, mais c'est une fiction, notre truc. Je prends mon nouveau fil, donc je suis sur le point de tricoter une nouvelle maille. Je prends mon ancien fil et mon nouveau fil. J'utilise mon ancien fil pour tricoter et j'utilise aussi mon nouveau fil. En laissant un petit peu de fil perdu pour pouvoir tisser justement. Et je tricote ma maille avec ces deux fils, ce qui fait que ici, pour une maille, j'ai deux boucles. Et tout à l'heure, il ne faudra pas que j'oublie de ne tricoter qu'une maille, là, pas deux, sinon on va rajouter une maille. Ensuite, je tricote les mailles suivantes. Donc mes fils perdus sont d'un côté et le fil qui mène à la pelote sont de l'autre. Et je fais passer mes fils perdus par-dessus. Alors attends, s'ils étaient dans le bon sens, ça irait mieux. Voilà. Je fais passer les fils perdus par-dessus le fil qui mène à la pelote. Et ensuite, je tricote. Donc je les tiens, mes fils perdus, c'est plus simple. Maille suivante, pareil. Je fais passer par-dessus. Je tricote. Et je fais ça sur quelques centimètres pour lui assurer un minimum de solidité de tenue. Donc moi je ne pourrais pas le faire bien longtemps parce que je vais arriver à la fin de mon rang, mais sur un ouvrage de 30 cm de large, vous pouvez le faire sur 5-6 cm, c'est pas un problème. Et je continue comme ça, jusqu'à ce que j'estime avoir assez tissé mon fil, puis je termine mon rang normalement, je laisse les fils perdus et je termine mon rang normalement. Et c'est sur le retour, donc sur l'envers du travail, qu'on soit du coup au point mousse ou pas. On voit nos fils perdus qui sont visibles et une espèce de petit bourrelet. Et c'est là aussi qu'on voit qu'ici il y a deux mailles ensemble. Donc il faudra y faire attention de ne pas les tricoter deux fois. Donc je tricote normalement jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit où j'ai mes deux fils, mes deux mailles qui en réalité n'en font qu'une. Alors je vais bien essayer d'accélérer le pas, mais comme je vous le disais, comme je lâche mes aiguilles, en plus je suis sous la caméra donc c'est pas. Hop, 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 hop. Normalement, je devrais mettre de la musique de fond là. Vous voyez le truc? Je tricote encore une maille et là, ça y est, j'y arrive. Je tricote bien les deux en même temps. Je ne crée pas de mailles supplémentaires. Et je termine mon rang le plus simplement du monde. Je vous montre ce que ça donne. Hop là, viens par la toile. Voilà. Donc, j'ai posé ça. Alors, j'ai
mes fils perdus. Et là, ça fait une espèce de petite boucle, là où j'ai tricoté qu'une maille, là où il y en avait deux. Eh bien, c'est en tirant sur chacun des fils perdus, chacun son tour, voilà que je vais résorber cette petite boucle. Et vous voyez, sur le devant, on ne voit rien. Et à partir de là, alors, ce fil-là, ces deux fils perdus, je peux me permettre de les couper. Ils sont sécurisés maintenant, ils ont été tissés sur plusieurs centimètres, il n'y a pas de souci. Et du coup, je peux continuer à tricoter mes rangs tout à fait normalement. Donc la seule chose vraiment à ne pas oublier, c'est si vous êtes au point mousse, donc au jersey, vous tissez forcément sur l'arrière du travail, mais là, il n'y a pas moyen, vous ne pouvez pas vous tromper. Et si vous êtes au point mousse, à partir du moment où vous avez fait un tissage de fil perdu, cette partie-là sera votre envers du travail. Il faudra toujours veiller à faire votre tissage pour une nouvelle pelote du même côté. Il ne faut pas se tromper. Et je dis ça vraiment parce que comme les deux côtés se ressemblent étrangement, à la limite, ne coupez pas le fil perdu, comme ça vous le repérerez plus facilement. Parce que quand vous serez. L'ouvrage fait un peu plus de 80 cm de long. Hein. Donc quand vous serez à 70 cm ou à 60 cm et que vous. N'oubliez pas de bien regarder tout votre ouvrage et de trouver l'endroit qui. L'endroit. L'endroit qui est l'envers. Elle est bonne celle-là. Voilà, je vous mets en garde et vous vous doutez que je vous mets en garde avec autant d'enthousiasme parce qu'en fait, ça m'est arrivé. De tisser un fil sur du point mousse une fois d'un côté et puis une fois de l'autre. Vous voyez un peu l'intérêt du truc. Quand vous portez l'ouvrage, eh bien, on voit les fils perdus qui dépassent. Bon, alors, les petites techniques qu'on avait à voir pour pouvoir faire cet ouvrage, c'est fait. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Hein. Enfin, là, je continue à tricoter parce que je papote. Mais l'objectif, n'oubliez pas, c'est d'avoir monté suffisamment de mailles pour faire un carré de 12 cm de large. Et vous tricotez votre jersey ou votre point mousse jusqu'à ce que vous arriviez à 12 cm de hauteur. Et puis, on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai tricoté, voilà mon vrai coupon. Vous voyez, il fait beaucoup plus que 12 cm par 12 cm, mais vraiment pour tricoter, pour compter un échantillon sous la caméra, c'est plus facile. Ce que je vous précise, si je ne l'ai pas déjà fait, je ne me rappelle plus, c'est qu'il vaut mieux profiter de l'échantillon, enfin c'est même fait un peu pour ça, pour calculer, prévoir à l'avance la laine qu'il vous faudra pour tricoter cet ouvrage. Donc je vous mettrai, je vous aurais mis, quand j'ai monté le film, un petit lien vers une vidéo que j'ai faite qui vous permet de prévoir à l'avance la quantité de laine dont vous aurez besoin. Voilà. Donc normalement, un échantillon, on le laisse reposer, enfin on rabat toutes les mailles, on le lave, on le laisse reposer, on l'épingle aux dimensions et on vient le compter. Alors moi, je ne vais pas faire comme ça, d'abord parce que c'est un ouvrage qui est quand même un rectangle, donc on va un petit peu relativiser les choses. Et puis parce que, mais par contre. Oui, pourquoi je ne veux pas rabattre les mailles? Ça, c'est une raison qui est plutôt pas mauvaise. Si vous rabattez les mailles pour compter votre échantillon, il y a certaines fils qu'on arrive à bien détricoter sur l'ouvrage, mais pas là où on a rabattu les mailles. C'est-à-dire que la fibre s'en mêle et en fait, on n'arrive pas à les détricoter. Et c'est donc de la laine qui est foutue en l'air. Et je trouve ça super dommage. Donc moi, je ne rabats pas. Ce que je fais en revanche, c'est que soit, hop là, je glisse toutes mes mailles sur un câble. Donc ça, c'est une aiguille circulaire qui a un câble. Je glisse toutes mes mailles dessus, et donc il n'y a plus de tension qui est exercée au niveau de l'aiguille, qui est plus grosse évidemment que le câble. Et du coup, le coupon peut se reposer tranquillement et prendre son aise, j'allais dire. Sur le temps de repos, comptez entre 1 heure et une journée, quoi. Plus vous attendez, plus ce sera fiable. Si vous n'avez pas de câble, eh bien venez donc glisser toutes vos mailles sur un fil à coudre, tout simplement. Alors un fil à coudre de couleur un petit peu contrastante, enfin pas de couleur contrastante, non, ça on s'en fout. Un fil à coudre suffisamment long, voilà, je vais y arriver. Donc je vais glisser toutes mes mailles sur mon fil. Voilà, j'y arrive. Et une fois que c'est fait, hop là. Enfin, une fois que c'est fait, voilà. Là, vous voyez, il n'y a plus du tout de tension qui s'exerce. Hein. Du coup, mon coupon peut prendre son aise. On remarque tout de suite que la caractéristique du jersey, c'est que ça roulotte. Ça roulotte en bas, ça roulotte en haut, ça roulotte sur les côtés. C'est pour ça que dans le modèle initial, à mon avis, ils ont choisi le point mousse, parce que ça ne roulotte pas. Posez un petit moment et puis on va venir compter l'échantillon. Donc ici, je vais compter l'échantillon sur du jersey. Et ça n'est pas la même façon que de compter un échantillon sur du point mousse. Donc je vous mets le lien vers la vidéo que j'ai tournée et je vous mets le lien. La fenêtre s'ouvrira exactement au moment où on compte le point mousse, parce que c'est une vidéo qui, comme d'habitude avec moi, est un peu longue.
que je vous conseille de regarder par ailleurs, mais là pour le cas qui nous intéresse, ne vous inquiétez pas, ça s'ouvrira juste au moment où on doit compter du point mousse. Mais nous, on va compter du jersey. Alors vous voyez, mon coupon est quand même suffisamment largement assez grand pour que j'ai 10 cm en largeur et 10 cm en hauteur. Bon là, il roulotte un peu, il faudra que je me débrouille. Sinon, venez tout simplement l'épingler sur une serviette éponge, par exemple, avant que de mesurer. On va se faire un petit gros plan, parce que c'est un petit peu le seul moyen d'y voir. Alors mon objectif, c'est de venir compter le nombre de mailles qu'il y a sur 10 cm de large, de là jusqu'ici. Donc une maille au jersey, c'est un petit V. Donc je choisis un petit V et je me mets dans le prolongement du bord du petit V. Voilà. Et je vais compter les petits V jusqu'à ce que j'arrive à 10 cm. Là, je suis mal installée, je le fais un peu à la one again. Je fais ça plus calmement et mieux installée habituellement. Vous vous en doutez. Allez, donc, alors attends, où est-ce que je pourrais me mettre pour pas que ça gêne? Ouais, quelque part par là. Donc, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 16 et demi. Et demi parce que vous voyez, je ne peux pas compter un V entier, là. Je ne peux pas compter une maille entière. Ce qui ne pose pas de problème quand on a une laine super fine. On compte 16 ou on compte 17, on arrondit. Moi, c'est une laine un petit peu épaisse. Ben, écoute, je vais compter 16,5. Je ne vais pas compter 17, puisque 17, ça dépasse les 10 cm. Il me faut donc 16 mailles et demie pour tricoter 10 cm en largeur. Alors, pour venir compter dans la hauteur, donc compter le nombre de rangs, là, vous voyez, j'ai pas assez de profondeur de champ pour le faire. Je vais le faire sur 5 cm. Et je multiplierai par 2, mais bien sûr, vous le faites sur 10 cm. Donc, toujours pareil, je choisis un petit V. Est-ce qu'on le voit, mon petit V? Oui. Je choisis un petit V et je me mets dans le prolongement du petit V. Et je vais compter les petits V, je vous disais, moi, jusqu'à 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. 11 V jusqu'à 5 cm, ça m'en fait 22 jusqu'à 10. Si je ne vois pas très bien les petits V, je sais qu'il y a un petit trou au milieu de chaque petit V, je peux compter les petits trous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 fois 2, 22. Il me faut donc 22 rangs pour tricoter 10 cm en hauteur. Donc cet échantillon, il faut absolument le noter quelque part parce que ça sera la base de nos calculs, c'est-à-dire que vous allez remplacer tous mes chiffres par les vôtres. C'est comme ça que vous allez pouvoir tricoter ce poncho avec la laine que vous avez, les aiguilles que vous avez et votre façon de tricoter, qui sera forcément différente de la mienne. Il y a peu de chances que vous ayez justement la même laine que la mienne, justement les mêmes aiguilles et que vous vouliez justement le tricoter dans la même taille. On est bien d'accord là-dessus. Alors la première chose que je fais, c'est de venir sélectionner les dimensions qui me concernent moi. En l'occurrence, je veux tricoter du 2 ans pour le poncho. Donc là, je sélectionne 30 cm puisque j'ai 3 tailles et ici 80. Et je reporte les dimensions sur mon joli dessin. Voilà, qui n'est pas droit du tout, mais ça, chez moi, c'est habituel. Donc 30 ici et 80 cm de longueur en ce qui me concerne. Je note aussi bien sûr mon échantillon. Donc rappelez-vous, c'est 16,5 mailles par 22 rangs. Donc c'est là où vous mettez votre propre échantillon. Donc là vous avez mis les dimensions qui concernent l'âge que vous souhaitez tricoter, de 4 ou 6 ans. Et ici vous mettez votre propre échantillon. Ensuite je divise mes dimensions par 10. Voilà. Pour savoir combien de mailles je vais monter, je prends le 3 que j'ai ici. Et je le multiplie par le nombre de mailles pour 10 cm. Donc 3 fois 16,5, ça donne 49,5 mailles. Donc je vais arrondir, ça sera 49 ou 50. Je ne peux pas monter 49,5 mailles. Donc je vais mettre 50. Voilà, il faudra que je monte 50 mailles pour obtenir une largeur de 30. Pour le nombre de rangs, je vais prendre donc 8. Et je vais multiplier cette fois-ci par 22, qui est le nombre de rangs pour 10 cm. 8 fois 22. 176. Alors en hauteur, quand on est sur un nombre de rangs, c'est toujours un nombre de rangs pairs. Donc vous arrondissez de sorte que ce soit un nombre de rangs pairs. Donc 176 rangs. Alors évidemment, mettre le nombre de rangs qu'on doit tricoter, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on est sur une pièce qui est toute droite. Il suffirait de monter 50 mailles
et de venir les tricoter pendant 80 cm et de s'arrêter. Mais moi, je vous propose de vous fier plutôt, enfin de vous fier aussi à votre nombre de mailles, dans le sens où c'est très difficile de mesurer 80 cm au bout des aiguilles. Il va falloir à chaque fois vous lever, vous mettre sur une table bien confortablement installée, venir mesurer précisément. Et on sait aussi que quand on est vraiment débutant, il y a toujours un doute quand on mesure. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais moi je l'ai ressenti quand je débutais réellement. Donc le plus simple, c'est chaque fois que vous faites deux rangs au point mousse ou au jersey d'ailleurs, vous venez ben, faire une petite. Voilà, moi je fais comme ça tous les deux rangs, je fais deux traits et au moins je sais où j'en suis. La deuxième raison qui fait que je vous conseille aussi de bien comptabiliser le nombre de rangs que vous tricotez, c'est qu'il va falloir qu'on vienne poser des marqueurs à un moment de notre ouvrage. Un ici et un ici. Alors pour savoir à quel moment on va venir faire ce marqueur, il faut vous diriger vers l'autre page d'explication et c'est noté dans l'assemblage du poncho. Petit 1, rentrer les fils, plier en deux, puis coudre sur 19 ou 22 ou 25 cm. Ça signifie, moi, comme c'est la première taille, que mon marqueur, je me trompe de, que mon marqueur sera à 19 cm en partant du début et à 19 cm en partant de la fin. Et ça peut être soit 19, soit 22, soit 25 cm en fonction de la taille que vous avez choisie au départ. Donc j'écris 19 cm et je le divise par 10. Puis évidemment, je calcule le nombre de rangs que ça me fait. Alors attends, viens par là, toi. 1,9 fois 22, 41,8 rangs. Donc je vous le disais, on arrondit un chiffre pair. Donc 48 rangs ici et forcément 48 rangs ici. Du coup, entre les deux, combien doit-il y avoir de rangs? Parce que c'est ce que vous allez faire. Vous allez tricoter 48 rangs, poser un marqueur, tricoter un certain nombre de rangs, poser un marqueur et enfin terminer. Donc si j'ai 176 rangs au départ et que je dois, pardon, tricoter d'abord 48 rangs moins 48, entre les deux, moins 48 aussi, excusez-moi, c'est 2 fois 48. Entre les deux, je vais tricoter 80 rangs. 80 plus 48 plus 48, ça fait bien 176 rangs. Donc en ce qui me concerne, avec des aiguilles numéro 5, je vais tricoter, je vais monter, pardon, 50 mailles, puis tricoter en jersey 48 rangs, poser un marqueur sur la première maille du rang suivant, enfin, je vais y arriver. Donc je tricote 48 rangs. Au moment où j'attaque de tricoter mes 80 rangs qui suivent, je pose bien le marqueur comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je tricote 80 rangs, je pose un marqueur, je retricote 48 rangs et après on rabat. Alors, on va déjà se mettre d'accord sur la quantité de fil perdu qu'on va garder pour pouvoir monter nos mailles. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, on se revoit à la fin, au moment où on doit rabattre, qu'on voit un petit peu ensemble comment ça se passe. Alors, pour la quantité de fil perdu, je vous disais qu'il faut garder du fil pour pouvoir monter vos mailles, 3 fois la largeur, donc 3 fois 30 cm. Donc là, je le fais à vue de nez, on est bien d'accord. Il est dans l'autre sens, mon fil. 3 fois 30 cm. Plus 2 fois la hauteur de couture. Donc moi, c'est 19 cm, donc 2 fois 20. Voilà. Je garde ce fil perdu, je fais mon petit nœud et je commence à monter mes mailles. Et ce fil perdu-là va être utilisé pour monter les mailles et il en restera suffisamment normalement. Alors si vous avez peur qu'il n'y en ait pas assez, vous pouvez faire 3 fois 19 aussi, hein, ça dépend de la laine que vous avez devant vous. Mais il sera suffisant donc pour venir faire la couture qu'on doit faire à la fin. Oui, petite précision quand même, en ce qui me concerne, je vais monter mes mailles sur des aiguilles 5,5 pour que ce soit un petit peu plus lâche parce que j'ai du mal à monter les mailles sans trop serrer. Et si vous faites ça aussi, si vous changez de taille d'aiguille, n'oubliez pas de bien reprendre. Au premier rang, on y pense, on prend bien la bonne aiguille, mais c'est au deuxième rang qu'on oublie. Si vous faites 2-3 rangs comme ça avec une aiguille de chaque taille, ça va passer. Mais si vous faites tout l'ouvrage, votre échantillon sera modifié et donc les dimensions finales de votre poncho seront modifiées aussi. Donc il vaut mieux défaire et recommencer plutôt que de traîner pendant 15 rangs avec une aiguille de chaque taille. Ça y est, j'ai fini de tricoter donc mes 176 rangs. Alors ça roulotte un max, hein, c'est ça l'inconvénient du jersey. C'est pour ça qu'on a du mal à mesurer quand on fait l'ouvrage, parce que ça roulotte de tous les côtés. J'ai donc tricoté, où c'est passé? Par là. Attends. 48 rangs, j'ai posé un marqueur. 80 rangs, si je le trouve, j'ai posé un autre marqueur.
et ensuite j'ai retricoté donc 48 rangs. Alors maintenant c'est le moment de rabattre. Bon, j'ai mis en ligne une vidéo. Non, j'ai pas mis en ligne de vidéo là-dessus. Tiens, je sais plus en fait. Mais je vais vous le montrer. Alors, pour ceux qui avaient fait le montage avec une aiguille plus grosse, je vous conseille de rabattre aussi avec une aiguille légèrement plus grosse. Pour rabattre une maille, il faut d'abord en tricoter deux. Une première et une deuxième. Ne tirez pas trop sur le fil, que vous ayez des aiguilles plus grosses ou pas, parce que sinon ça va resserrer l'ouvrage. Ensuite, je prends la première que j'ai tricotée et je la rabats par-dessus la dernière que j'ai tricotée. Voilà. Et du coup, il ne me reste qu'une maille, j'ai donc rabattu une maille. On recommence. J'ai deux mailles de tricotée. Je prends la première tricotée et je la rabats par-dessus la dernière tricotée. Voilà, c'est comme ça. Alors, il y a plein d'autres façons de rabattre des mailles, selon notamment l'aspect esthétique qu'on veut à la fin. Mais là, pour le coup, vu là où ça sera, il n'y a pas d'intérêt particulier à faire un rabattage particulier. Tiens. Alors c'est un fil qui contient beaucoup de laine, voilà, ce qui fait qu'on peut avoir tendance à piquer l'aiguille à l'intérieur de la fibre, ce qui n'est pas forcément idéal. Je pense que ce fil il aurait été beaucoup plus joli au point mousse, effectivement. Il est chouette, hein, mais je pense qu'il aurait... Putain, ça se trouve, je tourne depuis tout à l'heure hors caméra, il faut que je vérifie. Non, ça va, j'étais pas hors caméra, mais presque. Bon, je ne sais plus ce que je disais. Oui, une façon de rabattre en e-corde que j'ai trouvé très sympa. Sur le site, la chaîne YouTube de Spirou Bobine. Franchement, j'ai trouvé ça bien. Bon, sinon, voilà, on rabat tout à fait normalement. Donc, je vais rabattre toutes mes mailles. Et puis, on se retrouve à la fin pour voir un peu ce qu'on fait avec la dernière boucle qui nous restera sur l'aiguille. Oups. Voilà, j'ai quasiment fini de rabattre. Hop, encore une dernière. Voilà. Et donc, il me reste une maille sur l'aiguille. Donc, je l'agrandis et je passe personnellement ma main carrément dedans, histoire que ça parte pas. J'étais en train de calculer que là, donc, voilà ce qui se passe. On coupe le fil. Et on doit le couper en gardant parfois du fil perdu et parfois non. Alors là, j'étais en train de calculer s'il nous en faudrait. Il nous en faudra, mais pas beaucoup, parce que c'est pas pour faire une grosse couture. Si c'est pas le cas et que je me rends compte que je vous dis une bêtise, j'aurais mis un petit mot quelque part par là pour vous dire le contraire. Bon, imaginons qu'il me faille du fil pour une couture, on va dire 40 cm. Vous coupez le fil et vous passez ce fil que vous venez de couper dans la grosse boucle. Et puis vous tirez délicatement. Et voilà, vous avez fini de rabattre et vous avez un petit peu de fil perdu pour la couture. Ou si je vous ai mis un petit mot, moins, c'est-à-dire une quinzaine de centimètres, et on viendra simplement le rentrer sur l'arrière du travail pour pas que ça se voit. Quand j'ai commencé ce modèle, il m'a pris une petite envie de fignoler un petit peu les choses. Donc ce qui va suivre, vous le faites ou vous ne le faites pas, c'est pas du tout obligé, j'allais dire c'est une option. Ça dépend quand même de plusieurs choses. Déjà, est-ce que vous vous sentez capable de le faire? Est-ce que vous êtes suffisamment en confiance alors que vous êtes a priori débutant total? Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous êtes équipé? Parce que pour cette méthode-là, il faut deux aiguilles double pointe que j'ai pris moi une demi-taille en dessous des aiguilles dont je me suis servi pour l'ouvrage. Donc là, ce sont deux aiguilles double pointe 4,5. Souvenez-vous, on a placé des petits marqueurs. Alors attends, si je le trouve. Là! Voilà le premier, et bien plus loin, donc, le deuxième. Ça, c'est pas moi, hein. Alors ça, c'est pas moi. Là, vous pourriez dire, oui, elle rentre les fils, et puis finalement, non, non, non. Ça, c'est un petit nœud qui est fait au moment de la fabrication quand un fil lâche. Voilà. De toute façon, c'est jamais ma faute. Voilà, déjà. Bon, ensuite, cette partie qu'il y a entre les deux marqueurs, ce sera en réalité le col qu'on viendra retourner. Si vous faites l'ouvrage au point mousse, honnêtement, venir faire une I-cord le long de la bordure n'est pas très intéressant puisque le point mousse ne roulotte pas. En jersey, vous avez deux solutions. La première solution sera de donner un petit coup de vapeur sur la partie jersey. Et puis quand on va le retourner, ça ne roulottera pas. Éventuellement, on pourra même faire quelques petits points de couture pour le maintenir correctement. Et la deuxième solution pour limiter ce roulottement, c'est simplement de venir tricoter une I-cord. Donc entre les deux marqueurs, c'est-à-dire la partie qui fera office de colle à la fin. Comme la I-cord, on va la faire donc à l'emplacement du col et que le col va être retourné, on va la faire non pas en droit visible, mais au contraire
envers du travail visible, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le marqueur devant soi, on voit l'envers du travail. Je vous mets le lien vers la vidéo qui m'a permis d'apprendre cette technique. Alors, il y aura une petite différence avec ce que je fais. C'est que dans la vidéo, elle explique qu'il faut commencer par monter 4 mailles sur l'aiguille double pointe et de tricoter un rang et de commencer ensuite l'I-cord. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris comment il fallait faire. Et elle ne le montre pas. Elle montre comment tricoter l'I-cord elle-même, mais pas le départ. Donc moi, je vais faire et ben autrement, hein, et c'est ce que je vais vous montrer. Alors, j'ai fait une vidéo sur comment relever des mailles parce que l'I-cord nécessite de venir relever des mailles au fur et à mesure qu'on la tricote. Ici, je vous montre le principal. L'objectif, donc, c'est de venir relever des mailles sous les brins de la maille lisière. La maille lisière, c'est la première maille qui n'est pas très jolie, là, qui est au bord. Et si vous soulevez ces deux brins qui forment une espèce de V, voilà, vous pouvez venir relever des mailles ici. Et pareil à côté. Donc, le tout, c'est de trouver l'espèce de petit trou qu'il y a sous les brins de cette maille lisière. Bon, je vais faire un petit gros plan quand même. Donc voilà, voilà ma maille lisière, la maille lisière dont je vous parlais, qui forme un petit V. Donc il y a deux brins, un brin, deux brins. On la retourne un petit peu parce qu'elle a tendance à rouloter. Et dessous, vous pouvez passer très facilement une aiguille à tricoter sous les deux brins. Et vous pouvez faire ça sous chaque maille lisière. Donc c'est ce qu'on va faire. On va venir chercher des mailles à cet endroit-là. Donc je ne vais pas commencer là où il y a le marqueur, je vais commencer dans la maille qui est juste après, voilà ici. Je laisse un petit peu de longueur de fil perdu que je viendrai rentrer à la fin, et je relève une première maille, comme ceci. Puis je passe dans le petit trou suivant, et j'en relève, alors je ne me trompe pas de fil, entre le fil perdu et mon nouveau fil, je relève une deuxième maille, puis une troisième, et enfin une quatrième. Alors là, la difficulté qu'il pourrait y avoir éventuellement, c'est de ne pas venir relever une maille là où on en a déjà relevé une. Donc il faut parfois regarder d'où sort le fil. Mais vous verrez qu'à force, vous prendrez très vite l'habitude de bien aller d'une maille à l'autre. Voilà, donc là j'ai relevé 4 mailles, et vous constatez que mon fil sort par la maille qui est de ce côté. Je vais faire un plan plus large pour qu'on y voit un petit peu mieux. Donc, voilà les 4 mailles que je viens de relever. Voilà le fil qui mène à ma pelote. On voit qu'il est sur la dernière maille relevée, et de ce côté, le fil perdu qu'on rentrera plus tard. Alors, pour pouvoir tricoter ces mailles, on va tout simplement faire glisser ces 4 mailles de l'autre côté de l'aiguille double pointe, d'où l'intérêt de l'aiguille double pointe. Et c'est parce qu'on va venir tricoter les mailles, hop, voilà la première que je pique, en utilisant le fil qui est attaché à la dernière, que ça va former une licorne. Je tricote la première tout à fait normalement à l'endroit. Alors évidemment, elle sera un petit peu lâche parce que le fil perdu est lâche aussi. Mais bon, c'est pas, ça va, c'est pas insurmontable. Je tricote la deuxième, je tricote la troisième, et la quatrième, je la prends comme pour la tricoter, mais je ne la tricote pas. Je la fais glisser sur mon aiguille. Et c'est là, donc j'en ai quatre, et là je vais venir relever une maille de plus. Du coup, fatalement, alors là, faut que je me mette comme ça parce que ça tombe. Du coup, fatalement, j'ai 5 mailles de ce côté et je vais venir en diminuer une. Pour ça, avec mon aiguille de gauche, je viens piquer devant les deux premières mailles qui se présentent et je les tricote normalement à l'endroit. Voilà. J'ai de nouveau 4 mailles. Je fais glisser mes mailles de l'autre côté. Je tricote la première, la deuxième tout à fait normalement à l'endroit, la troisième. Je fais glisser la quatrième sans la tricoter et je viens relever une maille de plus. Quand j'ai relevé cette maille, avec mon aiguille de gauche, je pique les deux premières mailles qui se présentent, hop, devant et je tricote tout à fait normalement. Et maintenant, je fais glisser de l'autre côté. Voilà, c'est une répétition de ce geste-là que je vais faire. Donc, je vais démarrer, ben, j'ai démarré à mon marqueur et je vais aller comme ça jusqu'à l'autre marqueur. Après, donc évidemment, je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis ensuite, on fera la couture qui est prévue sur le bord. Je viens relever une maille. Pour faire ma diminution, je pique les deux premières mailles qui se présentent. Je tricote. Là, il faut peut-être un petit peu... Voilà, elle a peut-être un petit peu du mal à ressortir quand je la tricote. Je passe de ce côté. Je vous le montre une dernière fois parce que j'ai l'impression que j'étais un petit peu hors champ. Je ne suis pas sûre que vous ayez... tout vu. Une, deux,
je glisse hop, la quatrième sans la tricoter, je viens en relever une cinquième et je fais ma diminution en piquant les deux premières mailles qui se présentent. Si j'y arrive, croyez pas sûr, si, et je les tricote normalement. Et voilà, et je répète ce geste, et puis j'avance petit à petit. Alors là, évidemment, la corde, on ne la voit pas très bien, mais vous verrez qu'en avançant un peu de quelques centimètres, elle se voit parfaitement bien. J'ai pris des aiguilles légèrement plus petites, je vais quand même vous expliquer pourquoi. Dans la vidéo dont je vous parlais, là, comment relever des mailles, c'est pas tant comment, c'est surtout combien. Logiquement, on ne relève pas une maille par rang, une maille par petit trou. On calcule en coefficient multiplicateur et on vient relever 2 mailles sur 3, 3 mailles sur 4, voilà. Quand on fait une corde, en général, on ne s'embête pas avec ça, on ne calcule pas de coefficient et on vient relever autant de mailles qu'il y a de rangs. Pour éviter que cette corde soit trop lâche, trop grosse par rapport au reste, parce qu'elle serait plus longue en réalité que nécessaire, j'utilise des aiguilles qui sont légèrement plus petites. Là, j'ai pris du 4,5. Je pense que ça devrait aller, j'aurais presque pu peut-être prendre du 4, mais alors si je prends trop petit, le risque c'est que ça vienne créer une tension et ça ne sera pas chouette non plus. Notez que l'endroit de l'I-cord, la partie qui sera jolie, est côté envers. De ce côté-là, vous verrez, c'est pas très chouette, mais nous ça ne nous dérange pas, puisqu'on retourne le col. Allez, à tout à l'heure du coup. Oui, juste pour vous montrer quand même comment je termine cette I-cord, en fait au moment où je le fais, je suis en train de me demander comment je vais la terminer, parce que je ne me rappelle plus comment je faisais. La dernière fois où j'en ai fait une, donc on va voir un peu. Ah ben là, il faut encore que je relève une maille, puisque je suis juste avant mon marqueur. Ok. Tac. Alors. Bon ben non, ça me revient pas. Alors c'est dommage parce que j'avais prévu de filmer la séquence. Bon, je vais vous montrer ce que je fais, mais je suis même pas sûre que ce soit l'idéal. Il ne m'en reste plus que 4, 2 ensemble à l'endroit. Hop là. Je vais glisser les deux suivantes. Piquer comme je le faisais tout à l'heure. Les tricoter. Il m'en reste 2. Et passer la dernière par-dessus la première. Et ce fil-là, alors là, je ne vais pas laisser énormément de fil perdu parce que j'en ai pas besoin. Juste assez pour venir camoufler mon fil après. Et ce que je fais souvent quand je camoufle le fil, c'est que j'en profite pour éventuellement cacher la misère si je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc là, voilà, on va y arriver. Voilà, et ce que je ferai, c'est quand je viendrai coudre, je rabattrai le bord bien correctement comme ça, voilà, pour qu'il y ait une jolie finition. Je ne suis pas super contente de mon I-cord. Alors là, je pense que vous le voyez. Déjà, mon fil s'est dédoublé plusieurs fois. Alors comme c'est de la laine, pas mal de laine, enfin c'est un peu bourru en fait. Du coup, j'ai eu du mal parfois à piquer correctement. Là, c'était carrément une maille qui était tombée quand j'avais fait, je pense, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé sur le bord de mon ouvrage, donc ça se retrouve ici. Et je trouve que je ne l'ai pas tricoté de manière très régulière, enfin, je ne sais pas. Bon, on verra à la fin. Alors, parfois, je peux faire du cache-misère, c'est-à-dire que cette petite boule qu'il y a là, avec un fil de la même couleur, je peux venir passer derrière. Et puis essayer, tu vois, de le rentrer le plus possible pour que ça se voit pas trop. Voilà, bon. Enfin, on verra tout ça quand j'aurai donné un petit coup de vapeur et que tout ça sera en place. Mais ouais, là, ça se voit vachement quand même. C'est pas super, super. Du coup, je trouve presque que le côté qui était supposé rester sur l'envers parce qu'il n'était pas beau, ben, il est plus joli. Donc, je regrette presque d'avoir d'avoir tricoté de l'autre côté. Ouais. Bon. Allez, on se voit pour la couture. Bon, alors j'ai fait la I-cord. Donc voilà le col tel qu'il sera une fois retourné. Alors je vous montre ça en premier parce qu'en fait le reste est moche. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Regarde-moi ça. Alors me connaissant, je pense que c'est parce qu'il y a des fois où j'oublie. Je ne sais pas. Ou alors je me plantais d'endroit pour élever la maille, j'en sais rien. Bon. Ça me donnera l'occasion, donc on va dire que je l'ai fait exprès, parce que je voulais vous montrer comment on peut faire un petit peu de cache-misère au moment où je viendrai mettre quelques points pour tenir le col en place. On verra comment je peux faire le cache-misère. Voilà, bon, pour ça. Ensuite, maintenant, j'étais obligée, oui, je passe du coq à l'âne comme d'hab, mais c'est en jersey. Ça roulotait, mais alors dans tous les sens, ça ressemblait à rien. Donc j'étais obligée de l'épingler, donner un coup de vapeur en le laissant aux bonnes dimensions. Donc moi, ça doit être 80 par 30, je pense.
pour pouvoir un petit peu voir la forme définitive, parce que c'était vraiment, vraiment pas commode. Alors j'ai un petit doute, hein. Enfin j'ai un petit doute. Je vois bien que c'est ce qui est préconisé dans le modèle initial, mais j'ai un petit doute dans le sens où donc le dos est quand même nettement plus petit que le devant. Voilà. D'ailleurs, cette couture sur le schéma du dos, ils ne la font pas apparaître, ce qui fait du coup, on a un doute. Enfin bon, bref. Et puis aussi pour l'emplacement des mains, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout porter ce que ça pourrait donner. Et alors moi, j'ai pas de petite 2 ans sous la main pour faire des essais, quoi. Donc, je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je m'en achète un. Enfin, que je m'en achète un peu un petit 2 ans, hein, que je m'achète un... secours. Un mannequin. Tu vois, il y a un petit mannequin de 1 an, 2 ans, 3 ans, mais enfin ça coûte un bras, donc pour l'instant c'est pas d'actualité. Bon, bref, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pour l'instant, on va faire la couture au point invisible entre les deux pièces où il y a un marqueur. Donc la couture partira du marqueur juste en bas, et en face, on viendra donc coudre du marqueur jusqu'en bas aussi. Je profiterai de cette couture pour venir camoufler le fil de mon I-cord là, qui est pas très joli, donc pareil, je ferai un petit peu de cache-misère. Et donc cette couture, elle se fait sur l'endroit du travail, c'est-à-dire qu'on voit l'endroit est visible. Et je vais pouvoir utiliser pour une partie le fil perdu que j'avais laissé au départ, et puis sans doute pour l'autre, parce que comme ça, je fais la couture et je rentre les fils en même temps, c'est plutôt bien. Pour le haut, j'utiliserai sans doute les fils qui se trouvent ici. J'ai mis en ligne donc une vidéo très détaillée sur la couture invisible. Là, je vous montre le principal. Voilà, donc j'utilise une aiguille à laine. J'étais en train de penser ces histoires d'aiguilles à laine là. Avec l'enfil aiguille, on peut utiliser une aiguille à coudre avec un chat a priori trop petit et ça permet de faire rentrer un gros fil dans un chat un peu petit. Mais l'inconvénient quand les aiguilles à coudre, c'est que ici, c'est vraiment très pointu. Alors bon, en dehors du fait qu'on peut se piquer, ça c'est pas, enfin, c'est pas vraiment un problème, c'en est un, mais pas plus que ça. Ce qui par contre peut être un problème, c'est que quand vous venez coudre, comme la pointe est très fine, ça vient se prendre dans les fibres. Et c'est une des raisons pour lesquelles on utilise une aiguille à laine dont le bout est quand même relativement arrondi. Ça vous permet de venir vraiment saisir sous la maille ou à côté de la maille que vous voulez et de ne pas rentrer dans la maille elle-même, c'est quand même bien mieux. L'objectif de la couture invisible, ça va être de faire un zigzag, comme ça, un aller-retour entre les deux côtés, puis ensuite de tirer le fil pour rendre cette couture invisible. Je pars de cet angle et je vais aller chercher l'angle en face. Alors méfiez-vous, l'angle en face, très souvent, on ne le trouve pas. On le prend trop ici et trop là, et à la fin, c'est pas très joli. C'est vraiment la première maille, ou la dernière maille, d'ailleurs, je ne sais pas, du montage. Voilà, donc je me glisse dedans. Et ensuite, je vais venir retourner un petit peu le bord. Je vais venir piquer après la maille lisière, c'est-à-dire celle qui est juste au bord. Si j'écarte un peu, je trouverai un petit barreau entre la maille lisière et la maille précédente, sachant qu'une maille, c'est un petit V. Voilà un petit V. Et entre les deux, vous voyez, j'ai un petit barreau. Donc je passe sous le petit barreau. Et je vais en face et je fais la même chose. La maille lisière qui est toute retournée, et je cherche le premier petit barreau qui se trouve entre cette maille lisière et la maille suivante. Et là, vous voyez, je tire, mais pas trop. Et je continue comme ça. Alors, moi, j'ai l'habitude de faire 2 barreaux par 2 barreaux. Si vous décidez de le faire, faites attention de bien faire 2 barreaux d'un côté, 2 barreaux de l'autre, et de ne pas vous décaler. Sinon, vous allez avoir un côté qui sera plus vite cousu que l'autre, et ça n'ira pas. Et je continue sur 2-3 cm en fonction de la solidité de votre laine, en fonction du fait qu'elle soit pratique ou pas, qu'elle se casse facilement, qu'elle soit dufteuse. Vous ferez 2, 3, 4 ou 5 cm. Moi, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de laine dans ce fil et ça les rend généralement beaucoup plus fragiles. Je tiens fermement le départ et je tire. Alors là, ben voilà, il faut que je tire comme un âne du coup. J'avais presque fait trop de centimètres. Et ensuite, je défronce. Et ça rend la couture invisible. Voilà. Donc avec ce fil-là, voilà, je vais être obligée de me méfier. Il faudra que je fasse très peu de centimètres avant de tirer le fil. Je suis de ce côté, je viens de celui-ci. Et de nouveau, 2 barreaux d'un côté, je tire pas complètement. Et 2 barreaux de l'autre. Là, j'ai l'impression d'avoir. Non, j'ai cru que j'avais un petit décalage déjà. Voilà, je continue comme ça presque jusqu'au bout. Je m'arrêterai par là et puis je reprendrai la couture invisible en partant du point de départ. Et j'en profiterai donc pour venir faire un petit peu de cache-misère. Voilà. Je tire. Je tiens fermement.
je tire. N'oubliez pas de vérifier en écartant que votre fil est bien tiré complètement. Ok, donc je laisse le reste. Ah, il y a un petit décalage. Zut, crotte. Vous voyez qu'il y a un petit décalage, genre attends. Le marqueur, il est là. Et si je regarde en face, le marqueur, il est presque 1 cm plus haut. Donc là, j'ai pas 36 solutions, je vais être obligée de commencer de ce côté. Ce que je vais faire, c'est que je prends un brin du côté qui est allé trop vite et deux brins du côté qui est allé pas assez vite. C'est formidable quand même, je fais des tutos et je trouve toujours le moyen, je sais pas comment je vais, je trouve toujours le moyen de faire une escounaillée en faisant le tuto. Donc en prenant qu'un fil de ce côté et deux de l'autre, et en m'y prenant surtout suffisamment tôt, c'est-à-dire bien avant d'arriver à la fin de ma couture, eh bien, ce qui se passe, c'est que je récupère le petit décalage. Alors, je ne pourrais pas récupérer 10 cm de décalage parce que PV. Putain, mais c'est pas vrai. J'en ai marre. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, voilà. Les fils avec beaucoup de laine mèche comme ça, c'est un peu plus compliqué. Bon, je ne sais même plus ce que j'étais en train de vous raconter. Oui, que je ne peux pas récupérer un énorme décalage, mais je peux en récupérer un petit. Bon, celui-là, je vais le passer à l'intérieur. Comme ceci. Je viendrai le rentrer à la fin. J'enlève aussi mes marqueurs qui commencent à me gêner. Et je vais faire mon cache-misère. Enfin, si tout va bien, parce qu'a priori aujourd'hui ça part mal. Je vais venir faire mon cache-misère et terminer la couture de ce côté et de ce côté. Alors là, il n'y a pas de cache-misère à faire. C'est pas, la finition n'est pas trop mal. Ici, en fait, je vais profiter de rentrer le fil à l'intérieur pour tirer bien fort. Enfin, bien fort. Bah, du coup, je ne vais pas pouvoir tirer bien fort. Mince. Je vais essayer de faire rentrer cette grosse boucle à l'intérieur ici. Donc comme ça. Hop. Et s'il le faut, je viens faire un deuxième point. Moi, je suis la championne du cache-misère parce qu'en fait, tous mes ouvrages ont un défaut. Tous. À un moment ou à un autre, il se passe quelque chose. Ok, bon, j'ai toujours ce petit décalage. Donc ce fil-là, je l'abandonne. Je viendrai le cacher à la fin. Je ne peux pas faire comme j'avais prévu au départ. Je tourne et je vais prendre celui-ci et faire la couture dans ce sens-là en essayant encore un peu de récupérer le décalage. Je fais ça hors caméra parce que je vais le faire hors caméra parce que j'ai vraiment le sentiment que quand la caméra tourne, je suis un peu branquignole quoi. Faut bien dire les choses comme elles sont. Ouais, si je vais venir, ouais, si je vais y arriver, tu vois. Hop là, ni vu ni connu, je t'embrouille. Allez, je fais ça et puis on se retrouve après pour voir si ça a donné quelque chose. Là, je suis sur l'envers du travail. Il y a un des longs fils que je vais garder pour venir faire quelques petits points pour le col. Et les autres, eh bien, tout simplement, je les rentre, comme toujours, dans la couture la plus proche. Donc là, c'est celle qu'on vient juste de faire. Donc vous voyez, les deux mailles lisières qui sont du coup retournées vers l'intérieur font un petit bourrelet. Et c'est là que je viens rentrer mes fils. Je sécurise. Je faufile un peu, je vérifie et je coupe. Voilà, c'est fait. Et alors là, vous voyez sur le devant, du coup, maintenant que j'ai fait la couture, le col ne tient plus vraiment en place, même sur les bords. Donc j'ai ressorti un des fils à l'arrière que j'ai gardé et c'est avec celui-là que je vais venir faire un ou deux petits points ici et ici, a priori. Pareil de l'autre côté. Là, il faudra que je prenne un fil neuf. Donc ça va me faire des fils à rentrer, mais là je crois que j'ai pas vraiment le choix. Et je vais faire un ou deux petits points assez discrets pour obliger le col à rester en place ici. Je ferai la même chose derrière, je viendrai faire un petit point, mais j'en profiterai donc avec un nouveau fil qu'il faudra que je camoufle. J'en profiterai pour rentrer au maximum ces petits défauts qu'on voit là. Enfin, il y en a tellement de petits défauts que je ne suis pas sûre d'arriver. Alors c'est derrière le col, hein. Donc c'est derrière la tête, c'est pas le pire. Et moi, je me dis toujours, quand on veut par exemple offrir un ouvrage, c'est toujours embêtant d'avoir des finitions aussi moches. Allez, je fais ça. Je vous montrerai peut-être un petit peu comment je fais pour rentrer une boucle comme ça à l'intérieur. Bon, pour le devant, c'est juste un petit point où je vais venir accrocher cette partie-là à celle-là, bien sûr, de sorte que ce ne soit pas visible. Je ne me rappelle pas si je vous ai montré comment on camoufle un fil à l'intérieur de l'ouvrage. Bon, là, j'ai fait quelques petits points. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Vous voyez, j'ai fait des grands sauts et je suis venue. Maintenir le col en place. Et bien là, il s'agit de faire des petits serpentins dans les petites boucles. Et on va le faire du côté du col. Comme ça, on est quasiment sûr que ça se verra pas. Enfin, moi, avec la chance que j'ai, il va bien arriver un truc. Mais sinon, normalement,
Ça ne se voit pas. Voilà, on vérifie et on coupe le fil seulement après. Voilà, donc là j'ai mis des petits points pour le col. Je viens sur l'arrière, donc évidemment j'aurai des fils qui vont traîner ici, mais ça se verra pas quand l'ouvrage est porté. Alors, je traverse, je laisse évidemment de la marge de manœuvre et cette petite boule pour la faire disparaître. On dirait qu'il y avait un nœud dans la... carrément qu'il y avait un nœud dans le fil. Et je l'oblige à rentrer à l'intérieur en tirant bien. Je vais faire la même chose pour celle-ci. Mais alors celle-ci, je ne sais pas comment je vais la prendre. Pour qu'elle disparaisse. Ah là là, c'est une vraie aventure. Donc moi, je ne coupe pas hein, au départ. Je n'ai jamais cousu. Ouais. Peut-être un peu moins moche, je sais pas. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que j'ai foutu. Pareil, cache-misère. Et je tire bien fort pour le faire bien fort. Méfions-nous. Je disais que la laine était méchée. Je ne suis pas très sûre du terme. Moi, pour moi, c'est une mèche, c'est-à-dire que ce n'est pas la torsion de plusieurs fils. C'est une petite torsion d'une seule mèche. Ouais, c'est peut-être un peu moins vilain. Je vais courir de ce côté, faire pareil, et puis rentrer les fils. Et donc, de l'autre côté, on voit que c'est tout moche, quoi. Mais bon, pas le choix. Voilà qui est fait. Alors, bon, j'ai un petit peu améliorer les choses. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, donc déjà je voulais vous montrer, comme il roulotte pour l'instant parce qu'il n'y a pas encore les franges, ça fait un effet bizarre, mais bon, c'est comme ça. Je le retourne, donc il roulotte, voyez-vous, et l'objectif ça va être maintenant de venir faire un petit point du bord, ça c'est la fin de l'ouvrage, c'est là où on avait monté ou rabattu, plutôt rabattu. Je retourne bien les bords ici et je vais faire un petit point juste ici. Donc les mains passeraient par là. Mais il faut bien faire attention de le faire en maintenant les bords bien retournés, bien qu'ils ne roulotent pas, quoi. Mettre en face, peut-être mettre une petite épingle pour aller vérifier que de l'autre côté, parce que moi j'ai eu le sentiment que, je ne sais pas, de l'autre côté j'avais l'impression que ça ne faisait pas tout à fait la même chose. Pour aller vérifier que de l'autre côté, quand on vient faire le petit point, on soit bien à la même distance. Voilà, l'objectif, c'est de le faire en plusieurs fois, d'y aller par tâtonnement, pour finalement venir faire un petit point ici et ici. Voilà, et les petites mains passeront par là. Alors moi, c'est ce que je vous dis, au niveau dimension, j'ai revérifié, j'ai tout remesuré, c'est ce qui est indiqué. Et si je viens, ou alors je viens plus loin, mais à ce moment-là, ça ne représente pas tellement le dessin. Peut-être qu'il faut aller plus loin, et ça laisse un peu plus d'ouverture. Mais je dois vous avouer que j'ai un petit doute sur ce truc. Voilà, moi je le ferai comme ça. Peut-être un peu moins, voilà, pour qu'il y ait la place pour passer les mains. J'ai regardé la photo plusieurs fois pour essayer de comprendre. J'ai regardé les dessins. Le dessin montre une sorte de triangle ici. Donc si je fais ça, ben, j'ai pas un triangle, j'ai comme une fente. Et c'est pas tout à fait la même chose. Donc je vais le faire comme ça. Et bien vérifier que l'autre soit symétrique, hein, que ça se ressemble bien des deux côtés. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien ensuite, on va venir poser des petites franges, ce qui permettra d'ailleurs de limiter le rouloté au passage. Donc il y aura des petites franges de là, hop, jusque là, et surtout le devant aussi. Ouais, du coup, j'ai été quand même obligée de l'épingler à nouveau et de donner un coup de vapeur parce que vraiment, ça roulotait tellement que j'avais beaucoup de mal à faire mon petit point de couture. Voilà ce que ça donne. J'ai mis une photo là, donc vous verrez un petit peu mieux. Veillez quand même à ce que l'ouverture soit assez large pour les mains. Voilà, j'ai quand même un petit doute, moi, hein. Vous ne me l'enlèverez pas de l'esprit, enfin, on verra à la fin. Bon, allez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire des franges, alors je ne sais pas s'il le précise, attends, bouge pas, tac, 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 tous les 2 cm. Alors, est-ce que c'est que devant ou est-ce que c'est devant et derrière? Bon, on va le faire devant et derrière, hein, dans le doute. On va venir donc mettre des petites franges, confectionner et poser des petites franges sur le devant, en bas,
et sur le dos. Alors, je voulais vous montrer où est-ce qu'on va les passer ces franges. Donc là, vous avez toujours ce qu'on appelle la maille lisière. C'est bien la maille lisière, hein, puisqu'on a tricoté dans ce sens-là. On a des petits trous au sein même de la maille lisière, mais aussi juste après la maille lisière et avant la maille suivante, ici. Voilà. Je pense que c'est là qu'on va venir passer nos petites franges. En tous les 2 cm, pour moi, ça voudrait dire que j'en mets une là, je saute 2 trous et j'en mets une ici. Ou 3 trous peut-être. Je vais peut-être sauter 3 trous. Une ici, 1, 2, 3, et une autre ici. Ah, j'étais hors caméra, hors champ, non. Bon, mais commençons d'abord par les faire, ces petites franges. Ouais, si j'avais lu un petit peu avant de râler, confectionner 45, 57 ou 65 franges de 3 fils, ben forcément c'est devant et derrière, puisqu'on en met toutes les 2 cm. Voilà. Donc si j'avais lu avant, j'aurais pas râlé pour rien. Qu'est-ce qu'il nous faut? Du fil. Il y a alors beaucoup de fil. D'ailleurs, il faut que je mette un mot au début là, parce que quand on. Vous savez qu'on peut calculer la quantité de fil nécessaire pour tricoter cet ouvrage. J'ai mis une vidéo en ligne pour ça. Mais alors n'oubliez pas la quantité de fil qu'il faut pour les franges, et croyez-moi, il en faut beaucoup. Ces franges, c'est des 3 fils de 22 cm. Donc moi je prends, alors ici c'est un cadre. Hop, je vous le montre. C'est ma fille. Si elle sait que j'ai montré une photo d'elle quand elle était petite. Et je me dis que en faisant le tour, hop, ça devrait faire à peu près la bonne dimension. Pour une frange, il faudra 3 fils. Donc pour une frange, tac, une fois, deux fois, trois fois. Avec ça, je fais une frange. Bon. Tirer, mais pas trop. Hein. Et je continue et je vais en faire quelques-unes là pour. Ben, je vais faire tout le cadre. Et puis après, je vous montre comment je coupe et surtout comment on les met. Oui, juste pour vous préciser, là vous voyez, j'ai 13 cm plus la petite bordure là. Donc en fait, ça fait 13, 14, 28 cm. Mais c'est simplement parce qu'après, ça va rétrécir. Parce que là, le fil est un petit peu tendu. Il me reste un petit bout de fil que je coupe. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à passer donc ma paire de ciseaux ici pour venir couper les brins. Alors, je vais le faire hors caméra parce que je sens que ça va être un petit peu galère. D'habitude, je le fais dans un cahier, un petit carnet par exemple. Comme ça, vous avez la place de passer la paire de ciseaux. Là, c'est pas le cas. Fais voir ce que ça donne. Ouais. Bon, on va dire que voilà. Hein? Allez, je continue. Si, ça va. Je me suis plaint pour rien. Voilà. Et puis je vais faire des petits paquets de 3. Comme c'est un fil multicolore, je vais peut-être voilà, faire attention aux couleurs un petit peu. Voilà, j'ai pris 3 brins. Donc je veille à ce que les brins soient au même niveau et je plie en deux. Comme ça. Ensuite, avec mon. Donc je vais en mettre une à ce poignet et une à l'autre poignet. Et puis je vais avancer comme ça pour à peu près les répartir régulièrement. Donc maille lisière, il y a un trou juste au-dessus. Je rentre mon crochet, oui c'est un crochet, pardon. Je rentre mon crochet, j'attrape là où j'avais plié en deux, je le sors un petit peu, et puis j'attrape tous les brins et je les fais passer à l'intérieur de la boucle que j'ai créée. Ensuite je tire, voilà, de sorte à ce que ce soit une tension correcte, mais pas trop. Pas de souci de ce côté. Ce qui se passe avec les franges, c'est que moi à la fin, enfin j'en ai fait que 2 fois, hein, donc je suis la professionnelle des franges. Non, mais en fait ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin, je leur passe un petit coup de vapeur avec une pâte mouille pour bien les étirer et puis j'égalise. Même punition de l'autre côté, je prends 3 brins. Je prends 3 brins, hop, et je les mets au moins pour un des côtés. Là, comme il faut. Je ne vais pas y arriver, je le sens. Je passe et B, là. Je passe, je le fais ressortir de l'autre côté, j'étire un peu et puis j'en profite pour passer les 6 brins dans la boucle et je tire légèrement. Voilà, je vais laisser, alors attends, fais voir, 1, 2, 3, oui, 3 trous de libre et je vais le rentrer dans le quatrième. Et je ferai ça de chaque côté, comme ça, arriver vers le milieu. Je verrai s'il faut que j'équilibre un petit peu parce que c'est parfois un peu compliqué. Après, vous pouvez le faire d'un côté jusqu'à l'autre. Enfin, voilà, chacun fait sa cuisine comme d'habitude. Je fais ça. Pareil pour le bas. Alors, je ne sais pas. Je suppose qu'on n'en met pas un. Hop là, je suis hors caméra.
Je suppose qu'on n'en met pas ici, c'est-à-dire qu'on n'en met que sur le devant, pas ici. Je verrai à la fin ce que ça donne. Ça me semble un petit peu inutile d'en mettre ici. De la même façon, pour vous dire la vérité, moi presque derrière, j'aurais mis des franges deux fois plus longues pour récupérer la différence de hauteur entre le devant et le dos. Je sais pas, c'est peut-être une option, ou peut-être pas. Allez, je continue et puis on se voit après ça. Alors une petite indication, là je viens de faire le dos, j'en ai mis 24. Et là on voit bien du coup hein, que les franges ne sont pas de la même longueur. Enfin, je me suis appliquée un petit peu quand même, mais voilà, ça fait partie du truc. C'est pour ça qu'après on donne un petit coup de vapeur et qu'on vient égaliser. C'est à se demander si je ne devrais pas venir égaliser avant de faire le devant. Parce que gourde comme je suis, vu que j'ai des mains à faire des mottes, il y a quand même moyen qu'en coupant les franges du dos, je coupe aussi celle du devant. Vous voyez le truc? Donc je vais faire ça et je vous montre le résultat tout de suite après. Voilà, alors voilà ce que ça donne. Là, c'est que les franges du dos que j'ai repassées et que j'ai un petit peu égalisées. Donc maintenant, hop, je tourne mon ouvrage. Et je vais venir faire la même chose sur le devant, de ce bord-là à l'autre bord. C'est pas beau ça. Ouais. Juste une petite précision pour le devant. Donc là, c'est là où on a rabattu les mailles, ce qui fait qu'on n'a pas tout à fait le même aspect. Je ne vais pas venir chercher un trou au-dessus de la maille lisière. Ce que je peux faire, c'est venir chercher au sein même des mailles de rabattage. Ici. Je ne sais pas si on le voit comme il faut. Attends, je vais le remontrer. Je peux venir le chercher au-dessus. C'est pas des mailles. On ne peut pas parler de mailles lisières, puisque là, c'est là où on a rabattu. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'au-dessus, c'est un peu haut. Donc je vais venir chercher, voilà, le trou qu'il y a au sein même des mailles. Les petits V, c'est des mailles. Donc là où on a rabattu, je pense que c'est plus simple de venir chercher les brins ici. Et alors du coup, si je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je mets une frange, je compte 3 et je mets sur la quatrième, l'espace est en fait plus grand que le dos. Donc je ne vais pas faire comme ça. Je vais mettre une frange et c'est sur la troisième. 1, 2 et sur la troisième que je viendrai mettre ma frange pour que l'espace entre chaque frange soit à peu près la même que celle qu'il y a dans le dos. Et là, j'ai dû prendre un crochet un petit peu plus petit parce que sinon ça passait pas. Enfin, ça passait pas, ça passait, mais j'avais l'impression que ça allait mal. Voilà, il me semble quand même que l'espace là est un tout petit peu plus raisonnable. Voilà, j'en ai mis 26 sur le devant, donc la même punition. Je vais bien les étirer, repasser et puis venir égaliser. Alors quand je dis repasser, en fait je les étire bien, je les étale, je mets une pâte mouille, c'est-à-dire en fait un linge qui est très légèrement humide, et je passe le fer dessus pour pas abîmer la laine. Hein. Je mets un truc, hein, parce que là il y a quand même pas mal de laine dans ce fil. Sur l'acrylique, ça poserait peut-être pas de problème. Encore que. Vu que c'est plutôt un produit pétrolier, je me demande si ça ne viendrait pas fondre sous la semelle. Donc, méfiance, méfiance. Et voilà. Bon, et ben, pas si mal finalement, hein. Alors, ce col retourné avec ce jersey en vert visible, finalement, ça ne me déplaît pas. Je l'avais déjà fait sur un tuto pour un petit gilet enfant où j'étais venue rabattre les bords comme ça. Ça a un côté un peu rétro. Il ne faut pas dire rétro, il faut dire vintage. Là, j'avais trop de fils là, qui traînaient, c'était pas possible. J'étais obligée de garder ça pour la réparation de derrière, mais je sais pas, ça me plaît pas. Même si je sais que ça se verra pas une fois porté, ça me plaît pas du tout. Bon, sinon, les couleurs sont vraiment. Alors, la caméra rend pas justice aux couleurs. C'est vraiment sympa. J'ai toujours un petit doute par rapport à cette différence de hauteur. Je vois pas très bien porter ce que ça peut donner. J'espère que j'aurai des retours assez rapidement et des bons retours. Bon, après, je pense qu'on peut faire confiance à Fil d'Art, c'est quand même un petit peu leur métier depuis un certain nombre d'années, que de prévoir des modèles qui puissent se porter. Hein, sinon, je vois pas trop l'intérêt, à part de s'amuser à jouer à la dinette, quoi. Bon, et en fait, là, je parle un peu comme un robot, parce que comme d'habitude, je suis en train de penser à autre chose. Et ben, on va attaquer le bonnet. Donc, on va commencer par les calculs, tout ça, blablabla. Et je crois que le bonnet, je vais utiliser le même fil, mais je vais pas le faire en jersey. Je vais le faire au point mousse. Ça va lui donner plus de texture, plus d'épaisseur. Voilà. Donc il faut que je fasse un échantillon au point mousse. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que, rappelez-vous, c'était un rectangle au départ. Ça veut dire que vous pourriez parfaitement tricoter le point que vous voulez. Alors profitez, Internet regorge de vidéos où on vous apprend à tricoter des points. Et comme c'est tout droit,
et que vous avez quand même une petite marge de manœuvre sur le nombre de mailles. Je veux dire, si on vous dit qu'il faut que ça fasse, je ne sais même plus. Nous, c'est moi, c'est 30 cm. Si ça fait 31, vous n'allez pas mourir. Donc, ça vous permet d'adapter le nombre de mailles, hein, en fonction du point fantaisie que vous voulez faire. Profitez-en parce que, effectivement, au point mousse, je pense qu'il aurait été plus joli parce qu'il aurait été plus chatoyant, plus épais, plus moelleux. Mais franchement, tricoter un rectangle de 30 cm par 80 au point mousse, moi, je m'en sens pas capable. Hein, c'est trop long et ça bouffe trop de laine. Alors, quitte à faire un rectangle aussi grand, peut-être que vous devriez le faire avec un point fantaisie, tout simplement un point fantaisie sympa qui a un peu de volume, voilà. Ou bien un point fantaisie très aéré, plus léger avec un fil plus fin, parce qu'on peut parfaitement faire ce petit poncho pour le printemps. En fait, tout dépend du fil qu'on utilise, hein, c'est aussi simple que ça. Ça peut parfaitement se porter au printemps. Enfin, moi, je pense, honnêtement. En plus de vous à moi, honnêtement, je sais pas. Enfin, moi, je me souviens ma gamine, mais entre 2 et 6 ans, on peut leur mettre ce qu'on veut, quoi. Il n'y a pas de. Ils rechignent à rien. Après, ça se corse un petit peu, mais profitez bien de ces années où vous pouvez leur faire enfiler tous les ouvrages que vous avez faits, même s'ils sont, pour certains, il faut bien le dire, hein, des fois on se plante et puis c'est pas trop beau. Ils s'en tapent le coquillard. Hein. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous faire plaisir. Donc, profitez de cette période bénie. Allez, on l'attaque ce bonnet? Donc, comme d'habitude, je viens relever la dimension qui m'intéresse. Moi, c'est un bonnet en 2 ans. Donc, ici, c'est 25. Pour les autres, c'est 27 et demi. Et là, c'est 33. Et pour les autres, il me semble que c'est 36. Et je reporte ces deux dimensions que tout le monde a sur mon joli dessin avec des traits très droits. Alors, il n'est pas du tout à l'échelle comme d'habitude. Donc là, c'est 25. Et là, c'est 33. Alors, on va venir détailler ce 25 parce que vous allez voir qu'il y a des dimensions qu'on n'a pas. Toutes les dimensions qui sont ici, on ne vous les donne pas, je les ai déduites en fait des explications. Alors, la première, c'est cette hauteur-là. Pour tout le monde, là c'est vraiment pour tout le monde, c'est 4,5. Donc, si j'ai 25 en tout et que j'en ai 4,5 pour cette partie-là, je fais 25 moins 4,5, ça fait en ce qui me concerne 20,5. Il y a une autre dimension qui est valable pour tout le monde. Je ne sais plus où je l'ai mise. Ah oui, elle est là. Il y a une autre dimension qui est valable pour tout le monde, c'est celle-ci. Et c'est 6,5. Voilà. Donc ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. Ce 20,5, je l'ai déduit de ma largeur totale moins ça. Donc vous prenez votre largeur totale, vous enlevez les 4,5 et ça vous donne cette largeur-là qui est importante puisque c'est par là qu'on va commencer. Hein, on va le tricoter dans ce sens-là. Ensuite, alors il y a des dimensions que je vais vous donner. Là, il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, ici, on sait que c'est 4,5. Alors, il y a celle-là qui va nous manquer. Ensuite, il y a celle-ci. Et il y a, alors on va la prendre ici, celle-ci, c'est-à-dire de là jusque-là. Et donc là, je vais vous donner les dimensions pour les deux âges. Je vais prendre une couleur rouge histoire qu'on se souvienne que c'est des dimensions que je vous donne et que donc il faut que vous preniez le temps de noter. Donc pour le 2 ans, c'est 5. Et pour le 4-6 ans, je le mets un petit peu plus loin. Je ne sais pas comment faire. 5,5. Ici, pour le 2 ans, c'est 6. Et pour le 4-6 ans, c'est 6,5. Ça, c'est 6,5, tout le monde là. Donc il nous reste ici. Pour le 2 ans, c'est 11. Pour les autres, c'est 12. Celle-ci, c'est la même que là. Celle-ci, c'est la même que celle-là. Et celle-ci, c'est la même que celle-là. Donc du coup, on n'en a pas besoin. Je divise comme d'habitude les dimensions dont j'ai besoin par 10. Donc 4,5, ça fait 0,45. 2,05. De ce côté, 3,3. Là, ça me fait 0,5. 0,6. 1,1. Ici, ça me fait 0,65. Voilà, là, je mets rien, puisque c'est la même chose que de ce côté. On mettra directement le nombre de mailles. On va pas s'embêter. Et ensuite, bien sûr, je note mon échantillon. Donc l'échantillon, je l'ai fait au point mousse. Je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 5 et j'ai trouvé un échantillon de 17
rangs, 17 mailles par 34 rangs. Pour savoir combien de mailles je vais monter au départ, je prends 2,05 et je le multiplie par 17, qui est mon nombre de mailles pour 10 cm. Je multiplie 17. 34,85, ben écoute, je vais noter 35. Donc je vais monter 35 mailles et je vais les tricoter pendant un certain nombre de rangs. Alors, pour moi, oui, c'est 0,5, je suis déjà perdu moi. Là, pour les autres, ça serait 0,55. Hein. Puisque là, je n'ai pas divisé par 10 les dimensions pour le 4 rangs. Enfin, vous pouvez le faire. 6,5 divisé par 10, ça fait 0,65. Et là, ça fait 0,55. Donc moi, c'est 0,5. Je prends 0,5 et je multiplie par le nombre de rangs. 34. Et je tombe sur 17 rangs. Alors, quand on est en hauteur, c'est un nombre de rangs pair. Donc, soit j'arrondis à 16, soit j'arrondis à 18, mais je ne peux pas rester à 17. Je vais l'arrondir. Bougeons pas, disait l'aveugle. C'est souple, hein. Je vais l'arrondir à 16. C'est souple le point mousse. Ça, c'est. Oui, non, c'est bon. Donc, voilà par quoi je vais commencer avec mes aiguilles numéro 5. C'est ça? C'est 5 ou c'est. Je ne me rappelle plus du coup. Je regarderai. Je vais monter 35 mailles et je vais tricoter 16 rangs au point mousse. Et ensuite, on se revoit pour gérer ce petit décochement ici. Oui, c'est bien des aiguilles 5 en ce qui me concerne. Et c'est du point mousse partout. 35 mailles et je tricote 16 rangs et on se retrouve après. Oui, si ce qu'on peut faire tant qu'on y est, puisque j'ai 16 rangs à tricoter ici, ça veut dire que j'aurai 16 rangs à tricoter là. Donc on peut directement noter notre nombre de rangs, hein, puisque c'est en symétrie en fait. Donc du coup, c'est bien pratique pour ça. Oui, j'ai encore oublié de vous dire un truc. Je vais monter mes 35 mailles bien sûr, mais il faut que je garde du fil perdu. Alors là, attention, ça va être un petit peu particulier. Il va me falloir 3 fois cette largeur-là pour monter mes mailles. Donc moi, c'est 3 fois 20,5, 3 fois 21. OK. Et ensuite, il faudrait du fil perdu pour faire la couture. Sauf qu'en fait, le fil perdu qu'on va garder comme il sera de ce côté, il nous servira à froncer le haut. Puisqu'à la fin, le bonnet, c'est où? Il est froncé. Et c'est quand on viendra rabattre qu'on laissera du fil perdu pour la couture. Donc, 3 fois cette largeur, plus à peu près 20 cm de plus, pour pouvoir venir faufiler ici et puis tirer pour froncer l'ouvrage. Bon, voilà, c'est tout. Alors attends, 3 fois 21, on va dire, plus une fois de plus, allez hop, voilà. Et là, je peux monter mes mailles. Et pour être sûr de ne pas oublier tout à l'heure quand on viendra rabattre à la fin notre fil perdu, je mets un symbole comme ça. Ça veut dire que je dois garder du fil perdu pour la couture. Ici, c'est juste un petit fil perdu supplémentaire pour venir froncer. Je termine mon 16e rang de point mousse sur mes 35 mailles. Alors, je le note. Voilà. OK. Alors maintenant, vous le voyez, si je me mets face au patron, il va falloir que je vienne augmenter pour tricoter ce qu'on pourrait appeler l'oreille. Je ne sais pas très bien comment l'appeler cette chose-là. Mais pour ça, on a besoin de faire quand même plusieurs calculs. Le premier calcul qu'on va avoir à faire, c'est le nombre de rangs dont on dispose en tout pour venir augmenter, tricoter, diminuer. Donc je prends en ce qui me concerne le 0,6. Pour ceux qui ont le 4-6 ans, ça sera 0,65. 0,6 fois 34 rangs. 20,4. J'ai donc 20 rangs en tout. Si j'ai 20 rangs en tout ici, j'ai 20 rangs en tout ici aussi. Il y en a deux que je vais utiliser pour l'augmentation, deux que je vais utiliser pour faire mes diminutions. Donc 2 plus 2, 4 et là 20, il m'en restera 16 à tricoter entre les deux. Ensuite, en parlant d'augmentation, donc pour tout le monde, c'est 4,5 cm. Donc le coefficient, c'est 0,45. Pour savoir combien de mailles je vais augmenter sur le bord, je fais 0,45 fois 17 et je trouve 7,65 mailles. Alors bah, je vais faire 7, j'aurais pu faire 8, enfin après c'est fais voir un peu. Ouais, je vais faire 8. Allez. Donc d'ici à là, j'ai 8 mailles, ce qui fait que ici, je peux noter aussi directement 8.
Maintenant, on va mettre, hop, que je ne fasse pas tout tomber, mon tricotage, voilà, face au patron. Et on voit ces augmentations, elles sont de ce côté, c'est-à-dire pas en début de rang, mais en fin de rang. Or, on ne peut pas faire un groupe d'augmentation en fin de rang, on le fait en début du rang suivant. Donc voilà ce qui va se passer. Je vais tricoter mes 35 mailles. Je vais tourner mon ouvrage, faire 8 mailles d'augmentation, puis tricoter mon deuxième rang. Donc là, je commence par tricoter mon premier rang, on va appeler ça le rang d'oreillette, puisqu'on dit le rang d'emmanchure d'habitude, ou d'encolure. Oh putain, n'importe quoi. Bref, je tricote mon premier rang pour les oreilles. Voilà, on va appeler ça comme ça, l'oreillette. Okay. Voilà, je termine mon rang 1 pour les oreilles. Et je vais devoir monter 8 mailles. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je mets un petit marqueur, de sorte que je puisse à tout moment recompter le nombre de mailles que je viens de monter, parce que parfois on est interrompu, ou parfois on a une mémoire de poisson comme moi, et pour ne pas confondre la première maille de mon ouvrage avec la première maille montée. Vous avez la possibilité de monter vos mailles comme ceci, c'est-à-dire le plus simplement du monde, comme on l'apprend généralement à la base. J'aime pas cette méthode, et j'en ai trouvé une sur Spiro et Bobine. Alors, ce marqueur va un petit peu me gêner au départ, mais vous allez voir, ça va passer. Je tricote la première maille de mon ouvrage, hop, normalement à l'endroit. Mais au lieu de faire tomber la maille, je l'étire, celle-là. Et je viens la reposer sur l'aiguille de gauche. Je serre légèrement et je recommence. Je tricote du coup la première maille qui est disponible. J'étire un petit peu. Je fais une torsion, vous voyez, j'ai fait comme ça. Et je la repose sur l'aiguille de gauche. Et je monte comme ça, 8 mailles. Et 8. Je contrôle. 2, 4, 6 et 8. Ok. Donc maintenant, je vais tricoter tout à l'endroit mon rang numéro 2 pour les oreilles. Alors, ces mailles que j'ai rajoutées, c'est vrai qu'elles sont un petit peu spéciales à tricoter, mais pas de souci. Quand je vais arriver à mon marqueur, je vais tout simplement l'enlever parce qu'il ne m'est plus nécessaire. Donc là, j'y arrive. Voilà, et le marqueur, vous voyez, je l'enlève. Là, c'est un petit peu lâche, mais là, c'est pareil. On n'y peut pas grand-chose. Et puis, si effectivement, ça fait, c'est un petit peu trop... un petit peu trop lâche, on peut venir à la fin, au moment des coutures, venir faire un petit peu de cache-misère. Voilà. Donc, je finis de tricoter mon rang numéro 2. Je termine de tricoter mon rang numéro 2 pour les oreilles. Voilà. Ok, donc je suis ici, je me mets face à mon patron. Je viens de faire ça. Donc maintenant, je vais tricoter 16 rangs sur mes 35 et 8, 43 mailles. Et puis, on se retrouve pour venir faire notre diminution. Là. Enfin, pour rabattre sur le bord, plus exactement. C'est comme ça que ça s'appelle. J'ai tricoté mes 16 rangs et donc maintenant, il nous reste notre diminution à faire. Avant ça, je me disais qu'on aurait pu calculer directement la hauteur que j'aurais à tricoter sur les mailles qui me restera. Donc 1,1 pour moi, 1,2 pour ceux qui sont en taille 4 et 6 ans. Alors 1,1 que multiplie 34 rangs fois 34. J'aurai 37,4 rangs à tricoter. Donc j'arrondis à 36 ou à 38. En l'occurrence, je vais arrondir à 38. Voilà qui est fait. Alors ici, si je me mets juste de ce côté, je vois que les diminutions que j'ai à faire sont de ce côté-là. La question, c'est combien de diminutions? Pour tout le monde, le coefficient, il est de 0,65. Donc 0,65 fois 17, en ce qui me concerne, ça fait 11,05, autant dire 11 mailles. Et ces 11 mailles, je peux les écrire ici. Et puis là, oh ben là, on le complétera tout à l'heure, hein, quand même. Donc, en me mettant... comme ça, je m'aperçois que les diminutions sont de ce côté. Donc bien sûr, je vais le faire sur le rang numéro 2. Le rang numéro 1, je tricote tout.
Le rang numéro 2, je vais rabattre 11 mailles. Et ensuite, je finirai mon rang numéro 2, pardon. Et ensuite, je pourrai tricoter mes 38 rangs au point mousse. Moi, j'aime bien préparer mes marqueurs à l'avance, donc je ne vais pas l'utiliser sur le rang 1. Je vais tricoter tout mon rang 1 sans me soucier de mon marqueur, mais il m'aidera pour le rang 2. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Je mets mon marqueur entre la 11e et la 12e maille en partant de la fin. Puis, je tricote un rang complet au point mousse. Quand j'arrive à mon marqueur, je le fais glisser tout simplement pour bien le garder à la même place. Et je continue et je termine mon rang 1. Je termine le rang. Et c'est donc sur le rang 2 que je vais... Attends, je monte mon chop. C'est sur le rang 2 que je vais rabattre mes 11 mailles. Donc pour rabattre, je les rabats à l'endroit, même si je suis sur un rang envers. Ah ben non, je ne suis pas sur un rang envers, puisque enfin, je suis sur un rang envers, mais je suis au point mousse. Donc c'est toujours toutes les mailles à l'endroit. Cela étant, en ce qui me concerne, je rabats toujours toutes les mailles tout le temps à l'endroit. J'en ai tricoté 2, la première tricotée par-dessus, la deuxième tricotée, et je reste relativement souple. Entendez par là que je ne tire pas trop sur le fil. Quand j'arrive vers mon marqueur, il me reste donc ma 11e maille à rabattre. Je fais tomber mon marqueur et je suis obligée d'aller chercher une maille de l'autre côté, puisqu'il me faut 2 mailles pour en rabattre une. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je termine mon rang numéro 2 tout à l'endroit normalement. Voilà, je termine mon rang 2. Bon, ça va super vite, hein. C'est quand même autre chose que les 176 rangs qu'on avait fait pour le poncho là. Wow. Juste pour vous montrer, là j'ai tissé, donc ça c'est l'arrière de mon travail, puisque le devant est de ce côté. Et j'ai fait un changement de pelote. Donc je suis venue le tisser de ce côté. Je peux couper ce qui dépasse, il n'y a pas de souci. Et vous voyez de l'autre côté, c'est ce qu'il y a de bien, c'est que sur le point mousse, ça se voit vraiment pas. Donc je suis ici, je viens de faire ça. Il me reste donc maintenant à tricoter 38 rangs au point mousse sur les... Alors 35 et 8, 43, moins 11 sur les 32 mailles qu'il me reste. Donc je peux contrôler que je ne me sois pas trompée, mais bon, en mettant des marqueurs pour monter et pour abattre les mailles, logiquement, il n'y a pas d'erreur. Bon, du coup, j'ai recommencé parce que blablabla, blablabla, j'arrêtais pas de dire n'importe quoi. Donc je refais la séquence, mais du coup, j'ai déjà écrit mes chiffres. Enfin bon, bref, j'ai fait mes 38 rangs ici. Je mets mon ouvrage devant mon patron et je vois que les 11 mailles que je vais venir augmenter seront augmentées de ce côté. Je ne peux pas augmenter à la fin d'un rang. Donc je vais tricoter bien sûr un premier rang et au début du rang numéro 2, c'est là que je vais faire mon augmentation. Donc en fait, on travaille en symétrie par rapport à cette autre partie-là. Je vais utiliser deux rangs pour monter 11 mailles supplémentaires. Et tout à l'heure, j'utiliserai deux rangs pour venir diminuer, rabattre de 8 mailles. Exactement de la même façon. 8 mailles ici, j'ai utilisé 2 rangs. 11 mailles ici, j'ai utilisé 2 rangs. Donc entre les deux, je vais me retrouver avec le même nombre de rangs de jersey à tricoter que tout à l'heure. Mais bon, commençons par le début. Donc un aller où je vais tricoter toutes mes mailles. Et en début de retour, je vais monter 11 nouvelles mailles. Voilà, donc je tricote mon premier rang tout au point mousse jusqu'au bout. Je termine ce rang 1 et c'est donc en début de rang 2 que je vais venir monter 11 nouvelles mailles. Donc comme d'habitude, je mets mon petit marqueur et comme tout à l'heure, je monte, enfin tout à l'heure j'avais rabattu 11 mailles. Je monte 11 mailles. Ah, je ne vais pas y arriver. Si. 1. Je contrôle. 2, 4, 6, 8. Ah, j'en vois que 10, moi. Alors, attends. 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Non, c'est bon. Et je tricote tout à fait normalement le rang numéro 2. Je termine le deuxième rang. OK. Et donc, maintenant, je tricote, comme tout à l'heure, 16 rangs de jersey. Et puis, on se revoit pour abattre les 8 mailles. Je vous montre quand même. Ça roulotte là, même bon, c'est pas. Tac. Voilà. On est en train de faire la deuxième oreille. On va appeler ça comme ça.
J'ai tricoté donc mes 16 rangs et là maintenant je dois venir battre, rabattre, pas battre, qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est bizarre comme lapsus. Il faut que je rabatte ces 8 mailles-là. Donc ces 8 mailles-là, c'est celle-ci. Je vais donc le faire en deux rangs. Sur l'allée, je vais tricoter la totalité de mes mailles et c'est en début de rang suivant, sur le rang numéro 2, que je vais venir rabattre ces 8 mailles. Moi j'aime bien mettre le marqueur dès le premier rang. 2, 4, 6, 8. Donc je le mets. Hop, si j'y arrive, ouais. Entre la 8e et la 9e maille en partant de la fin, quand je vais tricoter mon premier rang, je vais le passer ce marqueur, je vais le garder en place puisqu'il ne me servira qu'en début de rang 2. Je tricote le rang 1, je garde mon marqueur en place, hop, je le fais passer de l'autre côté, je termine mon rang 1. Et c'est en début de rang 2 que je vais rabattre mes 8 mailles. J'en tricote 2 et je rabats la première tricotée par-dessus la suivante. Voilà. Et pour rabattre ma 8e maille, j'enlève mon marqueur et je vais chercher une maille de l'autre côté. Voilà, j'ai rabattu mes 8 mailles. Maintenant, je termine mon rang numéro 2. Voilà, j'ai terminé mon deuxième rang. On est ici. Comme ça. Et bien maintenant, je tricote 16 rangs. Alors, on ne va pas se revoir pour rabattre parce que bon, on a déjà rabattu pas mal de mailles. Ah si, il faut qu'on se revoie pour la quantité de fil perdu. Bon, je tricote mes 16 rangs et puis on se revoit pour rabattre. Voilà, donc les 16 rangs sont tricotés. Maintenant, je vais rabattre. Donc, comme on fait habituellement, hein, on tricote d'abord deux mailles et on rabat la première tricotée par-dessus la deuxième. Rabattez aussi souplement que vous avez monté les mailles. Puisque c'est ici et ici qu'on va venir faire la couture. Donc il faut que ce soit à peu près la même tension. Voilà, je rabats la dernière maille. Il m'en reste donc une sur mon aiguille. Et je tire comme ça. Et ce que je fais, moi, c'est que je passe ma main à l'intérieur. Voilà, comme ça, je sécurise. Bon. Donc là, on va venir faire une couture au point arrière. Ici et ici, c'est-à-dire, alors attention, là je suis sur l'endroit du travail. Non, c'est ça, oui, sur l'endroit du travail. Donc on viendra coudre envers du travail visible, toute cette longueur-là. Donc vous prévoyez 2-3 fois en fil perdu. Et bouge pas toi. 2-3 fois en fil perdu pour pouvoir faire la couture au point arrière. Sur tout le bord. Je vais aller trop vite. J'ai coupé mon fil, je le passe dans la boucle qui était autour de mon poignet et je tire. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors la première des choses à faire pour pouvoir faire donc la couture bord à bord, c'est de vérifier où est l'endroit et l'envers du travail. Donc moi, c'est du point mou, c'est un point qui est réversible, mais j'ai un côté où j'ai fait mes raccords de fil. Donc ce côté-là sera l'envers du travail. C'est ce côté que je veux voir. Donc on va faire la couture au point arrière, envers du travail visible. On dit aussi endroit contre endroit. Je me mets dans le bon sens. Voilà. Et l'objectif, ça va être la couture invisible. La couture au point arrière. J'ai dit couture invisible. Bon. L'objectif, ça va être de faire une couture au point arrière sur ces deux bords. Mais si vous regardez bien, de toute évidence, j'ai une différence de tension. Là où j'ai rabattu, c'est nettement plus souple et donc plus long que là où j'ai monté mes mailles. Donc moi, vraiment, il faut que j'arrête de monter mes mailles avec des aiguilles de la même taille parce que j'arrive pas à le faire. Là, il aurait fallu que j'utilise des aiguilles une demi-taille, voire une taille au-dessus pour monter les mailles parce que ça fait quand même une différence de tension qui est un petit peu importante. Hein. Il y a, je sais pas moi. Presque 1,5 cm de différence entre les deux côtés. Bon, ça va pas être bien dramatique parce que je vais pouvoir faire ma couture en tirant, en exerçant comme ça, en tirant un petit peu, donc ça devrait aller. Un petit lien quelque part par là vers la couture au point arrière. Et là, je vous montre le principal. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans la mesure où j'ai pas tout à fait la même tension des deux côtés,
La taille de mes petits V, ici et ici, n'est pas tout à fait la même des deux côtés. Donc ça va être difficile de rester régulier en disant j'avance de 2 petits V, je recule de 1. On va essayer quand même. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est avancer par exemple de 1 cm et reculer d'un demi-centimètre. Je vous explique tout ça. Première chose. Et je viens chercher l'angle pour arrimer donc les deux côtés. L'angle, il n'est pas toujours facile à trouver. Ici, il a l'air d'être là. Ici, il a l'air d'être là. Ça commence bien. Hop, voilà. Et maintenant, je me mets bord à bord et je vous montre ça d'un petit peu plus près. Alors, on observe d'abord les bords. Là, c'est là où j'ai rabattu les mailles et vous voyez, ça fait comme des petits V. Pas toujours très facile à voir. Plus facilement là où on a rabattu plutôt que là où on a monté. Là, c'est là où j'ai monté. Alors, le petit V, il y a un brin qui est ici et un brin qui est là. Je vais passer mon aiguille dessous, ce sera peut-être un petit peu plus visible. Voilà. Et ici, un brin et un autre brin. L'objectif, ça va être d'avancer de 2 pas. Chaque pas étant représenté par une maille. 1, 2, je passe sous les deux brins ici. Et je vais en face et j'avance de 2 pas aussi. Alors, le départ est toujours un petit peu folklorique parce qu'on ne voit pas vraiment, vraiment les mailles. Bon. J'avançais de 2 pas et là, vous remarquerez que j'ai saisi 4 brins, c'est-à-dire les deux de cette maille-là et les deux de cette maille-là. Je fais ça parce que j'ai pas besoin d'avoir un liseré sur l'endroit du travail, mais si vous regardez la vidéo sur le point arrière, vous verrez qu'en fonction du nombre de brins que vous prenez, 1, 2 ou seulement un derrière ou seulement un devant, qu'on appelle le brin arrière, le brin extérieur et le brin intérieur, vous n'avez pas tout à fait le même résultat esthétique. Là, je prends les 4. Je tire mon fil, mais pas complètement. Et je reviens. En passant, alors là, vraiment c'est presque invisible, en passant sous les brins, voilà, je retraverse en ayant fait un pas en arrière. Je tire mon fil, un peu mais pas trop, voilà. Je sors d'ici et je vais avancer de 2 pas. Un pas, 2 pas, et en face, un pas, 2 pas. Voilà qui est mieux. Je tire mais pas trop et je retraverse sous les 4 brins. Je tire ce fil, mais pas trop. Et voilà. 1, 2. En face, 1, 2. Donc, vous voyez que l'objectif, c'est de ne pas créer de décalage entre un côté et l'autre. Sinon, il y a un côté qui va avancer plus vite que l'autre. Et ça ne sera pas super. Un pas, 2 pas. Si j'avais monté mes mailles avec des aiguilles légèrement plus grosses, on verrait mieux les mailles de ce côté. C'est pas comme si je le savais pas, hein. 1, 2. Voilà. Je vais pas pouvoir filmer super longtemps cette partie. Je vais vous dire pourquoi. Ma caméra s'éteint toutes les 2 ou 3 minutes. Je veux dire vraiment, elle s'éteint et je perds tous mes réglages. Donc à chaque fois, il faut que je m'arrête, que je refasse les réglages. Enfin, là, c'est une vraie galère, là. Ça me met d'une humeur, je vous dis même pas. Bon. 1, 2, allez, on essaye de le faire au moins une dernière fois avant que ça coupe. 1, 2, voilà. Ce que j'essayais de vous dire, c'est que plus vous avancez dans l'ouvrage, plus les brins sont visibles. C'est vraiment le début qui est un petit peu galère, mais après, franchement, ça va tout seul. Je continue comme ça jusqu'au bout, et puis on se retrouve pour voir ce qu'on fait à la fin. Ok, j'arrive à la fin. Voilà, donc mon fil est un peu court. Donc je suis obligée de tirer dessus un peu plus. Enfin, pas de tirer dessus un peu plus, mais je peux pas coudre exactement comme je le fais d'habitude. Le bord, là, normalement, on est supposé venir le fignoler avec ce fil-là. Je le ferai avec celui-là. Il restera au bord et je pourrai l'utiliser pour foncer le bonnet. Là, ce que je vais faire avec ce fil-là, c'est que je vais directement le camoufler. Donc je le faufile un petit peu dans ce petit rebord-là, sans traverser de l'autre côté, histoire que ça ne se voit pas. Voilà. Un tout petit peu presque de surplace. Et ensuite j'ai perdu le fil. Bon, vous voyez, il est trop court, mais sinon vous pouvez continuer à le faire courir sur le bord ici comme ça. Non, je ne coupe pas, je regarde. Enfin, moi j'ai déjà regardé. Ne coupez pas votre fil avant d'avoir vérifié votre travail. Je vais venir fignoler le bord un tout petit peu avec celui-ci que j'avais gardé donc pour froncer le bonnet. Mais là, je vais l'utiliser pour rendre le bord un petit peu plus joli. Voilà, en piquant comme ça.
Profitez toujours des coutures pour cacher la misère. Voilà. Hop, on retourne. Et on a notre couture qui est faite ici. On sent un petit peu la différence de tension. Là, ce côté, il n'est pas très joli. Je vais venir faire un petit point là. On le voit pas trop, mais c'est pas très joli. Ça, c'est les oreilles. Et donc, c'est ici qu'il faut qu'on vienne froncer pour y mettre après le petit pompon. Je sais pas encore comment je vais faire pour froncer, pour vous dire la vérité. Je regarde ça. Je suis comme une poule devant son couteau là. Ouais, je vais venir faufiler. Je sais pas. Je sais pas du tout. On va voir. Je fais un petit essai et puis je vous montre après. Bon, en fait, je pense qu'il faut simplement que je faufile mon fil sur le bord et que je fasse le tour complètement. Donc, il faut que je mette un petit mot, il faut peut-être garder un petit peu plus de fil là quand on rabat, vous voyez, et puis après je fronce. Et je continue à faufiler. Comme ça. Hop. Quand je tire, je fronce. J'arrive vers la fin. Ce qui me fait un petit peu peur là, c'est que pour froncer correctement, je pense qu'il faudra bien tirer sur le fil. Et on a déjà vu ensemble que mon fil était super fragile. Donc c'est fou comme un petit ouvrage tout bête comme ça peut me donner des doutes. J'ai des doutes sur tout là depuis le début. Voilà. Hein? On va dire que c'est comme ça. Alors une fois que c'est bien froncé, bien sûr. On garde le fil sous tension, genre j'ai fait ça toute ma vie, tire comme un âne, et on vient sécuriser par un petit point, plus ou moins quoi, voilà, histoire que ça ne se défronce pas dès qu'on va lâcher l'ouvrage. Pas plus que ça, parce que je suis en train de penser, on va venir fixer le pompon là-dessus, donc c'est pas la peine de faire 15 000 points ici. Et je vais rentrer le fil à l'intérieur, histoire qu'il ne me gêne pas. Je m'en servirai peut-être pour fixer le pompon. Quoique le pompon, normalement, il y aura ce qu'il faut. Bon, alors on est là. Voilà. On est ici. Le bonnet est froncé. Les petites oreilles sont là. Et on confectionne un bonbon. J'ai faim. Ça recommence. Un pompon. Qu'on vient fixer ici. Alors, faut que je regarde comment je vais le faire, ce pompon. Quelle dimension il fait, surtout. Ok, bon, le pompon doit faire 7 cm de diamètre. Bon, moi, j'ai trouvé ça. Hein. Et puis, je vais me faire deux gabarits sur ce carton. Je vais essayer de vous trouver une vidéo qui soit un petit peu utile pour faire un pompon. Là, je vais pas tout vous montrer. Je vous mettrai le lien par là. Voilà. Deux petits cercles au milieu desquels je vais faire un trou. Pour pouvoir passer le fil à l'intérieur. Je pense même que je vais le faire voilà comme ça, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un, je sais pas comment vous expliquer. J'ai faim. Moi je fais comme ça, voilà. Bon. Alors c'est pas comme ça que j'ai appris quand j'étais petite, mais là pour le coup, puis alors le trou s'il n'est pas très rond, c'est quand même pas vraiment un problème. Honnêtement, ça doit faire 40 ans que j'ai pas fait, enfin peut-être pas tout à fait 40 ans, mais pas loin que j'ai pas fait de pompon. Voilà, moi je fonctionne comme ça. Ce qui me permet. Alors attends, bougeons pas, disait l'aveugle. Putain, alors moi j'ai un sens pratique qui est quand même super limité. Ça y est, j'ai retrouvé comment faire. Bon, c'est comme le vélo, hein, ça s'oublie pas. Je trouve qu'avec la petite fente, c'est plus pratique parce que ça évite d'avoir tout le fil d'avance. Voilà, je vais faire le tour comme ça, une fois dans un sens, je reviendrai dans l'autre, etc., etc., etc. Et on se retrouve après. Là, ça cafouille un peu, mais enfin bon, on va dire qu'on va y arriver. Parce que je suis venue trop près du bord ici. Maintenant, le fil qui mène à la pelote, je le rentre entre les deux. Hop, entre les deux cartons. Et je vais couper. Je ne sais pas avec quelle paire de ciseaux encore. Je vais couper et au fur et à mesure, je vais faire avancer ce fil-là. Ah, je suis hors caméra? Non. Non, mais non. T'as vu, j'en perds mes brailles. Hop. Donc, je disais, le fil qui mène à la pelote, je le mets
entre les deux cartons. Je vais couper et au fur et à mesure, je vais venir bloquer en avançant ce fil. Et je tiens bien au milieu pour pas que ça foute le camp. Bon, ça va pas être le ciseau idéal à mon avis. Et j'avance. Et j'avance, etc, etc. Il en faut de la patience. C'est pas mon fort. Quoique quand on tricote, il faut bien être un petit peu patient. Hein, parce que ça avance pas toujours très vite. Ok, donc là je suis arrivée à la fin. Je passe dans le premier demi-cercle et puis je repasse une deuxième fois dans le deuxième. Et alors normalement, je tire un peu. Bon, moi j'ai toujours le problème du fil qui est un petit peu fragile. Hop. Et logiquement, c'est en faisant comme ça. J'ai peur de tirer. Ça m'a lâché. C'est en entourant deux ou trois fois que je vais a priori sécuriser le truc. Bon, on va dire que c'est bon. Hein. Écoute, de toute façon. Et je retire le premier carton, le deuxième carton. Bon, fais voir. Hey, c'est enfin bon, c'est pas mal. Attends, on va le mettre du côté avantageux et puis on va faire genre. Hey, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Bon, bien sûr, on va venir un petit peu égaliser. Alors moi, je suis la championne pour ça, c'est-à-dire que j'égalise, et puis à la fin, il n'y a plus rien. Mais bon. Je vais garder du fil perdu là, parce que je vais, c'est ce qui me servira à nouer le, à fixer pardon, le pompon. Hop. Au bonnet. Donc là, a priori, c'est sécurisé. J'égalise un petit peu, puis on voit comment. Il me semble un petit peu disproportionné le truc. Ah ouais, puis alors il y a autre chose. C'est que comme beaucoup, hop là, zut, je me casse la figure. Comme beaucoup de fils à tricoter. Qui sont multicolores, je trouve que la pelote est toujours plus jolie que le rendu tricoté, voilà. Et alors le pompon, lui aussi, je le trouve plus joli, mais du coup, je trouve que les couleurs sont plus flamboyantes que quand c'est tricoté. Ça va presque, ça me gêne, dis donc. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bon, allez, assez de discussion là-dessus. J'égalise et on se voilà. C'est égalisé plus ou moins. Le fil perdu, hop. Et je vais d'abord rentrer le fil une première fois dans le bonnet et tirer le pompon. Voilà. Bon là, je vais avoir du mal à vous montrer en caméra parce que c'est un petit peu galère. Et l'objectif, c'est de venir hop, à l'intérieur. Une fois que le pompon est bien tiré, hein, déjà, on va faire un ou deux petits points. Histoire que le pompon il parte pas. Voilà. Et moi j'aurais presque retraversé pour repiquer dans le pompon. Alors, je sais pas si c'est possible. Si, j'ai l'impression que si. Tu vois, je retraverse. Tac. Et je repique dedans. Et je ressors. Je sais pas bien où je suis là. Hop. Et je ressors de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais finir de sécuriser. J'ai un autre fil là. Je vais m'en servir pour nouer les deux ensemble et venir faire un petit point de sécurité pour que tout ça ne parte pas. Tac. Ouais, je pense qu'il ne faut pas hésiter à tirer pour que le pompon soit bien bien fixé. Faire pareil avec le deuxième fil perdu, comme ça j'en profite pour le sécuriser et puis je vais le cacher même en même temps. Allez, je finis ça. Voilà qui est fait. Bon, ben franchement, c'est pas si mal. Même la proportion est assez correcte. Ok, de face, de dos. Là, on voit bien hein, que j'ai mal négocié le bord. Je viendrai réparer. Maintenant,
On doit venir faire des tresses et les accrocher ici. Alors là aussi, j'ai carrément des doutes. Bon, je vais vous dire un truc. Je vais faire les tresses, hein. Je vais venir les mettre. Mais moi, voilà ce que je ferais si j'étais vous. Je viendrais ici relever une maille tous les deux rangs. Enfin, relever comme on relève au point mousse. Je vous mets le lien de la vidéo. Et puis, je tricoterai quelques rangs, mais à chaque début et à chaque fin de rang, je tricoterai deux mailles ensemble. Donc, ça va venir se rétrécir. Et ensuite, je tricoterai la longueur qu'il me faut pour que ce bonnet, une fois mis, on puisse venir le nouer. Vous voyez? On prolonge en fait la partie vers les oreilles, on le prolonge en la rétrécissant. Limite, même vous pourriez terminer par une I-corde, hein, si ça vous amuse. Et ensuite, vous faites un petit nœud sous le menton, et puis voilà. Là, on va faire les tresses parce que c'est ce qui est donné dans le modèle. Mais alors, les tresses, faire des tresses 3 fois 8 fils de 12 cm. Bon, alors le fil au départ, il fait pas 12 cm, hein, parce que s'il fait 12 cm, la tresse, elle en fera 4 à la fin. Moi, je me disais que j'allais passer des fils ici, relativement longs, et puis faire une tresse directement sur l'oreillette. On va voir ce que ça donne. Enfin, l'oreillette, j'appelle ça l'oreillette, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, je vais commencer par froncer le bas. Donc, comme tout à l'heure, je faufile un fil dessus, que je souhaite assez long. On va aller jusqu'au bord, hein, ça sera plus joli. Et ensuite, je viens me froncer. Alors, c'est pas super évident à froncer. Puis, vous savez que, une fois de plus, moi, mon fil. Donc, comment est-ce que je pourrais faire? Je vais venir faire un petit nœud ici. Hein. Hop, je repasse de ce côté. Et je tire bien fort. Voilà. Alors, le fil avec lequel j'ai froncé, je l'ai coupé, j'en ai gardé une bonne longueur. Maintenant, je vais venir passer 12 brins doubles, double, voilà, qui feront la même longueur. Donc là, hop, je me mets ici, je tire l'autre. Voilà, vous voyez l'objectif, ça va être que je passe comme ça des fils relativement longs, de sorte qu'il y ait 24 brins à la fin. Et ce que je ferai, c'est que je vais tresser, je vais vous dire quelle longueur j'ai de tresse. De cette façon, vous aurez peut-être une idée un petit peu plus précise de la longueur de fil qu'il vous faudrait au départ. Ok? Allez, on fait ça. Alors, voilà, là j'ai mes 24 fils de chaque côté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les deux en même temps pour répartir la couleur un petit peu équitablement entre les deux, puisque c'est un fil multicolore. Mes brins font égaliser 42 cm. Donc j'étais en train de calculer, imaginons qu'on mette beaucoup moins de brins et que vous fassiez des brins beaucoup plus longs, plutôt que de venir relever des mailles et puis tricoter quelque chose à nouer sous le menton, et eh bien vous pourriez tresser des tresses un petit peu plus fines et vous en servir pour attacher le bonnet. Bon, enfin bon, après chacun, comme d'habitude d'ailleurs, chacun fait comme il veut. Alors là, je vais tresser, je vais faire une tresse avec 8 brins de chaque, mais je ne sais même pas comment je vais me mettre, parce qu'il faut un petit peu tirer quand même quand on fait une tresse. Bon, je vais voir ça. Je vois ça, et puis surtout on regardera quelle longueur fait ma tresse, de sorte que on a un rapport entre le fil au départ et la longueur de la tresse à la fin, pour que vous puissiez ajuster selon la longueur de tresse que vous voulez. Voilà, donc je suis venue coincer ici pour pouvoir tirer un petit peu. J'ai fait mes 3 brins, et maintenant je vais tresser. Donc le principe pour tresser, c'est de prendre le brin extérieur et de l'amener vers le brin intérieur. Et on tire. Donc moi j'ai l'habitude de le faire avec une seule main. Voilà, je fais comme ça, moi. Ça c'est juste peut-être pour faire ma maline. Hein. Tiens, elle n'est pas très épaisse la tresse, je trouve. Je la pensais plus épaisse que ça. Allez, je continue. Une fois tressée, avec un petit peu de marge au bout, j'arrive à 35 cm. Donc 42 divisé par 35, 1,2. En gros, le coefficient entre la longueur de fil avant d'avoir été tressé et après avoir été tressé, c'est 1,2. Ce qui veut dire que bon, ben pour 12 cm, 12 fois 1,2, 14,4, on va quand même rajouter une bonne marge. Cette marge, c'est pour tresser avec plus de facilité, plus ce qu'on veut laisser au bout pour pouvoir égaliser. Moi, je laisserai des fils de 25 cm. Ça vous permettra de tresser de manière aisée.
Et puis surtout, à la fin, je vais vous montrer, moi je garde un fil et c'est avec celui-là que je viens sécuriser le bout de la tresse pour pas qu'il se défasse. Donc il nous faut un petit peu de marge de manœuvre. 25 cm, ça me semble pas mal. Alors je vais prendre un des fils, je vais venir l'entourer en serrant relativement fort. Et puis je vais y mettre, et bien par là toi, une aiguille au bout. Okay. Je tire un petit peu. Attends, je vais y arriver ou pas? J'aurais pu mettre l'aiguille avant, hein? C'est ça que vous êtes en train de vous dire. Voilà, je vais faire pareil avec deux ou trois fils, c'est-à-dire que je mets l'aiguille avant. Le sens pratique, n'est-ce pas? J'entoure autour en serrant un petit peu, puis je plante l'aiguille. Et je ressors. Voilà, et je vais faire ça une troisième fois. Voilà donc ce que ça donne. Vous voyez, ça fait un petit liseré. Donc je l'ai fait quatre fois avec quatre fils différents. Ce qui fait que j'ai des fils qui sont fatalement plus courts que les autres. Et bien, je vais venir couper au maximum là où il y a les fils les plus courts. Hop là. Voilà. Bon, je vais égaliser un petit peu hein, parce que là, c'est pas très chouette. Et voilà, terminé. Alors je sais pas, j'ai un peu le sentiment qu'il est un peu haut, mais bon. Comment il est porté? Ouais, il est un petit peu haut sur la tête, peut-être, je sais pas. Bon, enfin bref, on verra. Bon, mais j'ai trouvé que c'était assez sympa en faire, à faire finalement. Ça n'en est pas trop mal sorti. Alors, ce qu'il faudra que je vous dise, vous voyez là, quand j'ai fait ma tresse. L'arrondi est bien côté extérieur et là ça a tendance à faire l'inverse. Je voudrais que ça fasse ça et ça fait ça. Bon, c'est qu'un petit détail, c'est quand même. J'ai un petit peu arrangé le zigougou là derrière qui me plaisait pas trop. Le pompon est plutôt sympa et assez proportionné. Voilà, ben cool, hein? Cool. Bon, ben ça y est, c'est fait. Le poncho, le petit bonnet. Un petit bilan rapide si possible. La première chose, je trouve que ce fil multicolore là de chez Fil d'Art, qui est vraiment très chouette, je suis en train de regarder le nom parce que je l'ai déjà oublié. Oui, fil Mikado, c'est ça. Il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau, peut-être pas super solide, mais ça c'est dû à la quantité de laine qu'il y a. Mais par contre, remarquez une chose, les couleurs sont moins flamboyantes. Quand on le tricote avec un point plat comme le jersey, et sont nettement plus vivantes, plus vives, pas vivantes, plus vives. Quand on tricote dans un point qui a un petit peu du relief, ici le point mousse. Donc c'est peut-être pas à négliger hein, dans les choix du point au départ. Mais n'oubliez pas que le point mousse, ça bouffe plus de laine. C'est certes plus douillet, plus confortable, mais ça bouffe énormément de laine et énormément de temps. Par contre, vous gagnerez du temps parce que vous ne viendrez pas épingler et repasser à la vapeur avec une pâte mouille les bords 3 ou 4 fois comme il a fallu que je le fasse pour qu'ils arrêtent de roulotter. Donc voilà, c'est un truc à prendre en compte. Oui, je ne suis pas super contente hein, de mon I-cord là sur le bord. À la limite, j'aurais pas fait d'I-cord et j'aurais fait un petit point avec un fil transparent, genre fil de pêche un petit peu fin. Je pense que ça n'aurait pas été plus mal. Hein. J'aimerais bien avoir vos retours si vous avez si vous le tricotez pour des enfants, les vôtres ou des enfants à qui vous voulez l'offrir et qu'ils le portent. J'aimerais bien savoir si ce bonnet n'est pas un petit peu haut. Bon, j'ai vérifié les dimensions, elles sont exactes, mais je ne sais pas, j'ai comme un doute. Et puis aussi, j'avais déjà un doute, je vous l'avais dit. Donc le dos est moins long que le devant, c'est le patron qui veut ça. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que ça donne une fois porté. Alors l'avantage quand on tricote pour les enfants, c'est que bon, ben déjà ils mettent tout ce qu'on veut qu'ils mettent. Mais en plus, on peut se permettre pas mal d'excentricité au niveau des coupes, au niveau des couleurs, au niveau de l'aspect du fil. Parce que franchement, ça leur va toujours super bien, c'est toujours super beau. Et du coup, c'est super gratifiant de tricoter de la layette ou des petits ouvrages pour les enfants jusqu'à, j'allais dire, peut-être 6 ans après, c'est vrai qu'ils commencent un petit peu à rechigner et puis à vouloir choisir eux-mêmes leurs vêtements, enfin les choisir. Exprimer en tout cas certains goûts plutôt que d'autres. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'aurais bien profité de voir un petit enfant le porter, mais là, j'en ai pas. Il n'y en a pas dans la famille pour l'instant. Enfin, ils sont tous tout petits. Enfin tous, il y en a un, ça fait pas grand monde, qui a 9 mois. 6 mois, qu'est-ce que je raconte, mais qui porte du 9 mois, mais après voilà.
Dans les 2-6 ans, j'en ai pas sous la main. Donc j'espère que vous me ferez des retours dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Je suis en train d'essayer de créer un compte Facebook. Enfin, j'ai créé le compte Facebook, je suis en train d'essayer de faire la page. Mais franchement, c'est bien un peu galère leur truc là. C'est pas super commode. Compte Facebook avec mon vrai nom, mon vrai prénom, c'est ça, rêve. Enfin voilà, je sais pas. Enfin bon, bref. Ça m'énerve un peu. Donc du coup, pour l'instant, je peux toujours pas avoir accès à vos photos des ouvrages que vous faites. C'est bien dommage, mais je vais essayer de m'y coller un petit peu plus et d'avancer à ce niveau-là. Voilà, Tricot Touch pour aujourd'hui, c'est terminé. Et puis, à bientôt pour un nouveau tuto tricot.